Bonjour. Hello tout le monde. Est-ce qu'il y a du son Mais oui <laughs> Comment que ça va Ah moi je m'entends pas assez à mon goût. Je veux m'entendre plus. Yeah 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 yeah. Ok, ok, ok. Que ça va la voix du matin vous avez effectivement mes premiers mots levé depuis une heure mais parler à personne même pas mon chat si j'ai dû dire au oh, bout du, du bout bou, bou, quand même à mon petit chat salut les nadines comment que ça va les nadines vous avez passé un, une bonne nuit vous avez bien fait dodo ah ah vous avez vu quand je lève le bras ça fait apparaître le soleil Faire une chorée avec le soleil. Comment qu'ils vont On m'entend, tout va bien, il y a l'image, j'ai montré la bonne scène, il y a le son, il y a de la musique, tout va bien Comment qu'ils vont les Nadines Bonjour Guillaume, bonjour Zirel, bonjour le chat Tu viens dire bonjour Tu viens dire bonjour le bébé Ah, tu vas manger Elle va manger, elle va manger. Bonjour Luma il y a à que elle soit déguisée pour le carnaval. Boy, bah, regarde. Regarde, j'ai mis un t-shirt de carnaval. Ça regarde ça si c'est pas, si pas carnaval ça. C'est la fête là. Carnaval, on est d'accord. Ça te va Luma Bonjour Bernaise, bonjour c'est quoi quoi Bonjour Vivi Miaou. Bonjour Chozy. Bonjour. picote Pic. Mon micro il est fort, non mon micro, il est fort. Ah, ouais, ouais. Bonjour, Miss Mev. Bonjour, oh, Bass Boss. Bonjour, Laure. Bonjour, William. Bonjour. L ah, ça, j'ai jamais lu ton nom. Lin Linakami. Bon, lin lina Kami. Bon, Lina. Ça te va que je dise juste Lina <laughs> Bonjour Etim, bonjour Coco, ça va Coco Bonjour Pakichu, bonjour Wonder Pony, bonjour Design Adrien et bienvenue à toi sur le live euh, Design Adrien. Bonjour Lisa la Banana, enfin non c'est mal dit, Lisa lana Banana, ah, vous êtes, vous êtes dur avec vos blazes. Hein. Bonjour euh, Van Batin, bonjour Didi. Je suis à l'EHPAD, donc je ne vais pas pouvoir suivre. Les, tu veux dire que les, les, les messieurs et les madames d'un du, grand âge ne me regardent pas T'as qu'à les convertir à moi, comme ça ils regardent tous moi et tu peux suivre. Et tu peux suivre Non, mais oh. Wesh wesh, grubituk. Donc bonjour à tout le monde dans le chat. Bonjour à tout le monde à la maison. Bonjour à tout le monde au travail. Bonjour à tout le monde. Dans les transports en commun, bonjour à tout le monde, dans les bouchons Mais pas si vous êtes sur une route qui circule. Vous n'avez pas mon bonjour. Et c'est dangereux si vous êtes sur une route qui circule. Sur les bouchons, je tolère. Comme, mais lurquez, ne hein. soyez pas dans le chat non plus si vous êtes dans les bouchons, on n'exagère pas. Et enfin, bonjour à tout le monde à l'aquarium de la Rochelle. Et voilà, on a fait tous les endroits tous les endroits ont été totalement couverts. Wesh wesh, ah il y a qui est dans la ligne 3, tu es dans la ligne 3, tu es où, tu es, es plutôt, tu vas direction euh, Levallois-Perret ou tu vas direction euh, Gambetta Où, où, où es-tu es es sur la ligne 3 Bonjour LZ, ça va bien Et donc bonjour à tous les lurkers évidemment au sens large, évidemment si vous êtes dans d'autres endroits, bon je vous dis quand même bonjour. Les lurkers c'est les gens qui ne sont pas dans le chat. Direction Levallois, très bien, très bien, tu vas à Webedia Tu vas à Webédier tu es d'obédience obédiesque? Alors, comment que ça va Lynn, j'ai le pire pseudo, sorry. Bah ouais, Lynn. Ah oui, c'est Lynn Aka Minidou. Ah oui, d'accord, ouais, c'est tout collé, c'était le bordel, mais en fait, c'est tout con, quoi. Tu es... bah, t'appelles Lynn, mais les gens t'appellent Minidou, quoi. Mais J'avais pas, pas capté. Puis vous faites peur, en plus. Dès qu'un blaze, il est un peu long et compliqué, on a peur de, de dire des dingues, quoi. De dire des grosses dingues. Comment que ça va Vous avez fait quoi hier matin, alors, quand il n'y avait pas de matinale Qu'est-ce que vous avez foutu Qu'est-ce qu'ils ont foutu hier matin, les loulous Vous avez fait un bingo de quoi, du coup Le chat, tu viens de dire bonjour Moi, j'ai fait du montage. Moi, j'en ai profité hier. Grosse journée de montage. Ah. Je vais acheter un truc, Le Bon Coin. Ah, bah ouais, à, à, à Levallois. C'est quoi C'est Webedia, ouais, bah, ils s'est vendu sur Le Bon Coin maintenant. Ils vendent, ça y est. Ah, bah, c'est ce que la blague que tu fais, 18 derrière. Tu vas acheter Webedia sur le bon coin. <laughs> ouais, ça vaut plus rien, ces machins-là. C'est quand même fat, hein. Le bâtiment, euh, il est fat, hein. Basse Boss, t'as bossé hier matin, ok J'ai regardé par la fenêtre de mon jardin, le regard vide. Bah, ouais, bah, j'imagine, ouais. J'imagine. Alors, on veut tout savoir, hein, Wonder Pony. Qu'est-ce que tu vas acheter à, We à Webedia <laughs> À Levallois-Perret. J'ai regardé Twitch, mais c'était moins bien. Bah, ouais. Webedia, c'est Squeezie, là. Ce fut, ce fut, ce fut. Il y a qui, maintenant Il reste qui Il reste... Euh... Michou, il est à Webedios Il y a Inox, encore Il y a Biadjos Enfin, il y a... Euh, Zen euh, Popcorn et tout, c'est à Webedia Je sais même pas. Oui, je pense que c'est à Webedia. Moi, j'ai fait du montage hier matin. Alors, attends, tu vas acheter des skis adaptables pour la poussette yo-yo de mon fils pour le ski ça existe ça Ah oui, mais c'est pas pour faire du ski euh, sur des pistes de ouf, quoi. C'est juste pour pouvoir avancer tranquillement sur la neige avec une poussette, j'imagine. je me dis, attends, je me dis, ah, c'est stylé, tu peux, faire... <laughs> tu peux faire du ski avec ta poussette. Mais oui, non, c'est pas du ski acrobatique, quoi, j'imagine. <laughs> j'imagine que c'est juste pour pouvoir avancer tranquillement dans la neige, quoi. Ça va aller à la, à la montagne, alors. Ça prépare des petites vacances. Tel oncle Sid, qui ne sera pas là ce matin, ce traître. Car il est au ski, ce bâtard. Enfin, je dis ce bâtard, mais en vrai, je jalouse pas. Euh... Je jalouse pas le ski, j'avoue. Bah, déjà, je trouve qu'il fait froid euh, à la montagne. C'est un des premiers problèmes. Et ensuite, deuxième problème, euh, bah, quand tu ne sais pas skier, tu tombes. Mais j'y ai cru. Hein. Moi, quand j'étais petit, le ski, on m'a forcé à aller en colo de ski euh, lors de ma famille recomposée. Je crois que c'était via le taf de mon beau-père, il y avait des colos de ski, euh, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai fait, fait deux années de suite des colos de ski et bon. Alors, je détestais la colo, moi. J'avais des potes dans mon quartier, j'avais des potes au collège et je voyais pas bien l'intérêt de partir tout reconstruire socialement dans une colo. C'était vraiment l'enfer pour moi. Mais je crois que j'avais quand même bien aimé le côté ski. Mais j'étais vraiment tout petit, j'étais en 6ème, 5ème, quoi. Non, peut-être 5ème, ouais, 4ème. Bon, c'est pareil pour vous, ça change pas grand-chose. Mais pour moi, une année, ça change tout. Et. Euh et du coup, ouais, j'étais pas très content qu'on me force à y aller, mais je me rappelle quand même que j'avais des petites sensations sur le ski qui étaient sympas. Mais après, j'en ai jamais refait de ma vie et je m'en branlais. Et je crois que j'en ai refait il y a 10 piges avec des potes soudainement qui sont ambiancés. J'ai des potes qui vont un peu skier des fois. Et j'y étais avec eux. Et j'ai bien aimé le jour 1. Et après, le jour 2, j'ai un peu trop. En fait, moi, le problème en plus, c'est que je suis un peu casse-cou. Donc j'ai tendance à me lancer. Euh... J'ai tendance à me lancer, euh, à, à, pét... enfin, à foncer comme un foufou, quoi. Et du coup, c'est un peu dangereux. Et je me rappelle que le jour 1, j'avais kiffé. Le jour 2, on ne voyait pas grand-chose. Et quand tu vois pas grand-chose au ski, c'est un peu horrible, en fait. Parce que du coup, bah, tu vois rien. Et, euh, et je suis tombé dans de la poudreuse, et, et je m'étais fait mal au pouce, et j'arrivais plus à me relever. Donc ça m'a un peu traumatisé. C'était un peu horrible comme moment. Et en fait, je me suis fait une... Comme on dit, je me suis euh, luxé, enfin, comme tordu la cheville, mais du pouce, quoi. Et c'était un peu relou, du coup, parce que j'avais mal et j'arrivais plus à prendre un sur mes bâtons pour me relever. Donc c'était un peu horrible comme moment. Et du coup, je me suis dit, bah, niquez-vous, en fait, le ski. Je suis rentré, après, j'avais une attelle. Je suis tombé dans la poudreuse de Pascal Obispo, tout à fait. Je suis tombé dans la poudreuse et j'arrivais plus à me relever. Ça m'a un peu traumatisé. J'en ai pas refait pendant 10 ans. Non, après, j'en ai refait en 2019, je crois. Été, voilà, je me suis tordu la cheville du pouce. Je me suis tordu la chouille du pouce. Et, euh, et du coup, après, j'ai dit, fuck le ski. Euh, Niquez-vous avec votre ski, là. Euh, et donc... Euh, non, mais c'est quoi ça, Je me suis pas cassé le pouce C'est quoi, le vrai terme Bon, bref. Une luxation, ouais. Et ensuite, en 2019, j'ai fait un festival euh, de youtubeurs. Le, le Snow Web... Euh, et donc c'était trop cool, parce que tu pars à la montagne avec plein de gens de YouTube et tout, c'était trop cool. Et euh, c'est là que j'avais fait un If et avec Maurice Barthélémy. Et, euh, et, et au début, pareil, je refais un peu de ski. Bon, j'y allais pas que pour le ski, j'y allais en soi parce que c'était cool. Donc je fais un peu de ski, euh, jour 1, ça va. Et pareil, euh, jour 2, ça va, je crois. Et après, je crois que je suis tombé malade. Et, euh, et même, j'ai eu une journée où il faisait pas beau, où je suis monté trop haut, où c'était. Enfin, chaque fois, je, en fait, j'ai comme les huîtres, tu réessayes. Et tu te dis mais non mais j'aime pas les huîtres, laissez-moi tranquille avec les huîtres quoi. Sauf que c'est un peu plus engageant. Parce que les huîtres au pire tu fais mon taval ou tu recraches en secrète sur un enfant sous la table. Mais le ski, bah, quand tu dis j'aime pas les huîtres, t'es en haut d'une piste et il faut que tu descendes quoi. Et c'est relou quoi, tu peux pas juste euh... faire... Et c'est fini quoi. Il faut descendre cette putain de piste. Et ouais, donc j'ai pas kiffé, plus je suis tombé malade, j'ai passé deux jours au lit, donc je l'ai associé au ski, tout ça. Et du coup, je me suis dit plus jamais, en fait, laissez-moi tranquille avec le ski. Cette fois-ci, je ne me ferai plus jamais avoir. Jusqu'à la prochaine fois où je vais me ferai avoir. Donc voilà mon expérience du ski. Donc quand les gens, ils sont en mode le ski et tout, je dis mais pourquoi C'est nul le ski. Non, en vrai, c'est sympa, mais non. Et après, j'avoue, le côté, la logistique, de faut aller à la montagne. Euh, il fait froid, il y a de la neige, ça glisse. Euh, et, 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 et tu ne peux pas avaler la piste quand tu es en haut pour être en bas. Un peu contraignant contrairement aux huîtres, hein. pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une comparaison avec les huîtres. Euh, voilà, donc on va pouvoir reprendre la lecture du chat, c'est pas un fond vert. Il fait tout froid, voilà, exactement. Alors, euh, donc qu'est-ce qui donc t'as été acheter des, des, des skis pour ta poussette Salut Léon, ça va hyper et toi Michou a jamais été à Webedia. En revanche, il avait un super cabaret. Tu vas pas commencer à pas comprendre les trucs, Etim. Hein. On a dû apprendre à team jeudi. Dernier à faire des jeux de mots. On va pas maintenant t'apprendre. Normalement, je te rappelle que t'as plus l'âge de Michou de, du streamer que du Michou décédé. Parce que ouais, les jeunes, sachez-le, Michou euh, était hein, le roi de la night, le roi de la night sur Panam. Avant d'être. Enfin, euh, c'est pas le même gars, il s'appelle juste pareil. Il y a un bichou jeune et un michou mort. Et bah, le michou mort. Euh, Etim, il mélange avec le michou mort, mais il devrait pas. Parce qu'il est jeune, euh, Etim. Bienvenue sur le live, Kagius. Un hein ah, Surpartie est surpartie en un hein Salut, JBL420. Bienvenue à toi sur le live. Tu t'es mis au skate à la place du ski euh, Non, je ne me suis jamais mis au skate. Je me suis juste mis à, au, au cosplay de skate. Je me suis mis à m'habiller en skater de la tête aux pieds au lycée, mais je ne suis jamais monté sur un skate. Enfin, si, je suis monté une fois sur un skate, mais j'en je suis, suis très vite descendu euh, avec une sorte d'effet de, de gravité, parce que les roues et le fait que je ne savais pas en faire, ça m'a balancé par terre et je ne suis jamais remonté dessus. Mais j'avais tout à fait le cosplay du skater en tout cas. C'était très très bien, très sympathique. J'ai mis du temps à arrêter de mettre des pompes de skater tellement c'est un bonheur les pompes de skater. Les grosses baskets de skater, c'est des chaussons les trucs. Bah Même quand j'ai arrêté de mettre des baskets de skater, j'ai continué d'en mettre à la maison. Pendant longtemps, mes chaussons à la maison, c'était des baskets de skater. Trop bien. J'avais la meilleure vie. Mais j'ai fini par les... Je les ai lavées une fois de trop et elles se sont disloquées dans ma machine à laver. À cause de la formidable série YouTube de multiprise, la Team Foufou, dans laquelle nous jouions des. Enfin, on, a, on était habillés en skater, quoi. Donc, c'est là que j'ai ressorti mes, mes chaussons de skater et ça les a flingués définitivement. Après, mes pompes avaient 20 ans, donc ça assure qu'au bout d'un moment, ça se disloque. 1. time, je me suis déguisé en Michou décédé pour les 30 ans d'une pote, meilleur déguisement. Comment on se déguise en Michou décédé J'ai peur de ta réponse. Effectivement, Etime, c'est ça, tu as bien compris. Il y a Michou jeune et Michou mort, tout à fait. Il ne faut pas comprendre le Michou jeune et avec le Michou mort jeune non plus. Il y a un Michou mort jeune Ah oui, ah oui, bah oui, ça, oui il, le Michou mort a été jeune, effectivement. Ouais. Mais ça, on a, on, y a aucune image n'existe. L'appareil photo n'était pas encore inventé. C'est quoi les baskets de skate etnis Globes. Ouais, c'est ça. Parce que c'est effectivement super confortable. Ouais, c'est tout à fait ça. Dustin le skater. Ah ouais, Etim, t'es pointu. Dustin, c'était moi C'était pas Freddy, Dustin Ah, t'es pas si pointu que ça, Etim. C'était quoi le nom dans la Team Foufou La Team foufou, donc c'était une série de sketchs qu'on faisait sur notre chaîne YouTube avec Freddy Gladio en Rally. Euh, donc sur Multiprise. La Team Foufou, c'était Dustin. Bart, je crois, Alice, c'était Bart. Dustin, je crois que c'était Freddy, Jeff ou peut-être c'était moi, Dustin et Freddy, c'était Jeff. Un. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la team foufou, bah pour info, Bart c'était Anis, nice, ouais. Bah, je vais vous le mettre parce que ce qui me fait rire sur la team foufou, pour ceux qui se demandaient ce qu'on écoutait. <laughs> Un, 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 un. Ce qui est marrant sur la team Fouf. Ah putain, mais c'est sûr les claviers de PC qui se mettent en veille. Bon, en même temps, ça fait que la batterie s'use moins vite. Ce qui est marrant sur la team Fouf. Putain, depuis que j'ai découvert que vous pouvez mettre pause comme ça sur 10h, ma vie refaite. est refaite. C'est que du coup, la coupe que j'ai dans la team Foufou. Aujourd'hui, les amis, nous allons piéger les clients d'une boulangerie. Nous allons tenter de faire croire à ces clients que Dustin est un vrai boulanger. Ah, Dustin, c'est moi. Team Foufou Donc, ce qui est marrant, c'est que cette perruque, cette coupe de cheveux que j'ai dans la Team Foufou, euh, c'est la coupe que j'avais euh, quand j'avais 25 ans, quoi. <laughs> j'avais vraiment les cheveux longs comme ça. Du coup, c'était un cosplay de moi, de moi, mais avec plus de cheveux, quoi. Et, pour la petite anecdote... J'ai une bonne gueule, hein, putain. <laughs> Pour la petite anecdote, du coup, mon, mon besta Sid, qui est là le matin, oncle Sid, qui fait mes miniatures actuellement, quand il a regardé la team Foufou, il a pas tilté tout de suite que j'avais une perruque. Il se disait juste, bah oui, bah c'est Aurélie et tout. Et sa meuf, elle disait, mais non, mais trop marrant, euh, la perruque et tout. Il faisait, ah mais oui, putain, il a une perruque. <laughs> c'est exactement la coupe que j'avais quand j'avais 25 piges, quoi. Sauf qu'en fait, c'est une perruque. Anis, c'est pas de perruque. Jacques, avec Freddy, on est, est obligé de foutre des perruques, des perruques. Et Anis, non. Enfin, avant qu'il se coupe les cheveux. Ah oui, Jeff. <laughs> Stylé. Et ça, c'est marrant. C'est moi, j'ai mes pompes. Ah oui, on doit aller voir. Moi, j'ai mes pompes. Voilà, ça, c'est mes pompes de skater que j'utilisais en chaussons, effectivement, que je kiffais. Le reste, c'était la costumière qui nous avait déniché les trucs, mais. Le t-shirt de Freddy. Le t-shirt de Freddy, c'est un original de l'époque quand j'étais au lycée et que j'étais skater. C'est un t-shirt Les Zen pour les fans de connaisseurs de groupes de punk. Donc ça c'est mon vrai t-shirt de l'époque. Stylé, c'était un des t-shirts comme des bonbons, je le kiffais ce t-shirt. Et euh, mes lunettes aussi, ce sont mes vraies lunettes des années, euh, je sais pas, je devais avoir ça en 2006. <laughs> Donc il y a du, il y, a, voilà, y, a du, y a du, vrai truc euh, à l'ancienne. Et après, dans le Freddy, le, le collier de Freddy, c'est marrant, les lunettes de Freddy, on dirait celles qu'il avait, qu'il porte actuellement dans le prochain gauche gauche droite droite. Comme quoi la mode, ça tourne. It's turning the mode. Donc voilà pour les petites anecdotes. Punk rock. Ah, le punk rock, mais ouais, je kiffais bien, euh, j'avoue euh, au lycée moi, l'énergie du punk rock, c'était ça faisait ça faisait plaisir. J'étais pas un adolescent euh, trop torturé, euh, j'allais pas non plus écouter euh, Jen Ali pour pleurer tout ça, c'est pas ma génération évidemment, mais des trucs trop dépressifs et tout. J'allais mais j'avais quand même, j'aimais quand même bien l'énergie positive que qu'amenait le, le punk rock quoi. Les Zen Jack, c'est les Zen Jack mais ouais moi c'était je suis arrivé avec un groupe un peu parce que mes potes étaient j'avais des potes un peu pointus punk rock euh... vrai punk rock genre NoFX et tout moi je suis arrivé avec une porte un peu plus commerciale je suis arrivé avec Blink-182 évidemment qui était dans American Pie mais après ouais c'était des bails de moi j'avais vu Blink-182 je les ai vus en concert j'avais vu NoFX mais c'était des bails de Lac Vagone pour ceux qui connaissent c'était quoi les autres groupes Mad Cadiz ah c'était stylé hein et puis après, je suis rentré à la fac, donc j'ai arrêté de me faire des pics, et arrêté d'écouter du punk rock, et je me suis mis à écouter les Pink Floyd et à fumer des joints. Mais je suis resté à bien en skater quand même. Ça collait bien, ça va, avec les Ong avec les et les Pink Floyd, ça passait. Et je me suis laissé pousser les cheveux, ça, ça allait bien avec les Pink Floyd. Un, un, un. Donc ton cosplay de, de Michou, ah d'accord, ton cosplay de Michou mort, c'était une belle perruque blonde de Ken, costard bleu électrique avec lunettes fumées bleues. Oui voilà, mais j'ai cru qu'il était vraiment mort ton, ton déguisement, tu vois, que du coup t'étais genre tu arrivais dans un cercueil, tu vois. Je me disais, mm. en fait non, c'était un, un cosplay de Michou mort avant qu'il soit mort, un cosplay de Michou mort vivant quoi. <laughs> un rapport avec les foufous de Sochaux Non. Master clash le générique. Ouais, j'avoue, il était bien le générique. Et ça c'était marrant parce que c'était vraiment une envie, euh, envie d'Anis euh, de parodier les trucs de sa génération parce qu'il est un peu plus jeune. Donc les trucs MTV et tout que moi je regardais j'étais déjà un peu plus vieux quoi. Mais pour lui c'était, euh, sa jeunesse quoi. Et c'est marrant bah, pour les gens qui connaissent euh, la team foufou, Michou est mort. Non pas le, pas, le, pas le Michou jeune, hein. Michou, c'est Michou, Michou, Michou mort qui est mort. Euh, i 18. Euh, pour ceux qui pour ceux qui, qu'est-ce que je voulais dire comme un truc Ah oui, la genèse de Multiprise, de Multiprise, de la team foufou. C'est on cherchait des trucs, euh, des formats, euh, parce que ce qui n'était pas évident sur Multiprise, c'est qu'on, eh, je vous montre, mais vous voyez pas, ce qui n'était pas évident sur Multiprise, c'est qu'on, c'était des petites journées. Enfin, il fallait qu'on rentre euh, au moins deux sketchs par jour, voire des fois trois sketchs par jour, ce qui est impossible, complètement impossible. Donc, il fallait qu'on trouve. Des, des trucs faciles à faire. Et c'est pour ça, par exemple, mais c'est bien ce que ça amène de la créativité. Quoi. Pour ceux qui connaissent euh, Multiprise, euh, vous savez qu'on a aussi fait du coup euh, les, euh, les frères podcasts, ce truc-là, là, truc soap et le concept des frères podcast c'est que c'est toujours exactement la même structure dans chaque épisode, sauf que la thématique change, et du coup, c'est le plaisir de revoir exactement la même structure, mais avec des petites variations et tout ça, mais tu retrouves des répliques exactement les mêmes dans chaque épisode. Et bah, ça, c'est pas juste une idée euh, de, pour être original ou créatif, où on cherchait le truc, c'est une idée parce qu'on n'avait pas le temps. Et du coup, on cherchait des trucs faciles à faire, et en l'occurrence, avoir une structure où 30% de l'épisode à chaque fois est la même, bah, c'était des problématiques de prod. Donc, c'est marrant. Moi, j'aime bien quand. Euh, quand une problématique de prod t'oblige à, au final, t'amène des idées créatives quoi. Donc c'est pour ça que les frères podcast c'est un peu tout le temps la même chose, c'est parce qu'il fallait qu'on en rentre trois dans la même journée. Vas-y quoi, accroche-toi. Et la team Foufou, c'est pareil, il fallait qu'on puisse en rentrer trois dans la même journée, donc il fallait que ce soit des trucs assez faciles à faire. Et la team Foufou, pour le coup on a un peu triché, c'est juste que il euh, y a l'épisode où on fait un, une caméra cachée à mon chat, et bah toutes les images tournées chez moi à l'époque avec mon chat, on les a tournées entre nous, hors euh, parce que tous ces sketchs-là, il y, y a une équipe, il y a euh, une équipe à la caméra, euh, à la lumière, à la déco. Enfin, non, pas autant que ça, mais que c'était plutôt moi qui faisais la déco. Mais en tout cas, il y avait, euh, c'était dans un cadre de production avec euh, avec des gens, quoi. Et juste l'épisode du chat, on l'avait fait entre nous à la maison. Du coup, c'était comme ça qu'on avait réussi à faire trois épisodes. Bref, c'est pas ça que je voulais raconter au début. C'était que on cherchait du coup des formats. Euh, des formats de petits trucs à faire pour euh, voilà, pour notre première saison. Et moi, j'avais une idée en tête qui était juste ça, qui était faire une caméra cachée à un chat. Ça me faisait rire, un gars et des gars qui font une caméra cachée à un chat et qui sont en mode ça a trop marché et tout, alors que bon forcément, un chat ne comprend pas le concept de prank. Et Anis, nice, dans sa besace, il me disait Ah putain, mais moi, je kifferais faire un truc de, de caméra cachée, genre année, euh, année MTV, quoi. Enfin, de, une, des gars foufous à la MTV. Et, euh, et sauf qu'ils font euh, et là du coup on s'est dit bah c'est marrant on fait des gars hyper enthousiastes en mode on va faire des caméras cachées à un chat donc voilà l'idée est née de là quoi le mélange de son envie de MTV et des gars et c'est encore plus marrant si des gars ils font une caméra cachée à un chat et qui sont en mode c'est incroyable on va piéger un chat donc voilà c'est né de ça c'est né de nos deux nos deux envies et du coup, on n'a pas commencé par le chat tout de suite parce que c'était trop absurde. On a d'abord fait, il piège des clients d'une boulangerie, puis l'hôte d'un Airbnb, et on a fini par, euh, un, il piège un chat. Et ensuite, on a fait une saison 2 avec des guests, mais du coup dans une vibe un peu différente, un peu en mode reloucage, coach de vie, quoi. Team Foufou, coach, bah voilà, Team, team Foufou, New Life. New Life. Ça, c'était marrant que... Okay. Avec, les, avec notre chaîne Multiprise, parce que saison 1, on tournait avec les gens avec qui on avait envie de bosser, mais un peu, soit des potes potes et du coup, bon, on était moins gênés comme Pana ou Vincent, que vous voyez là, ou Yacine, qui ont kiffé et tout, et on, voilà. Mais saison 2, ou Mon chat, et qu'on adorait. Mais euh, ce qui était cool avec Multiprise, donc c'est la, la chaîne YouTube qu'on a avec Freddy Anis, c'est qu'on a fait deux saisons, et que dans le game, la première saison, dans les gens qu'on aimait bien et tout, a bien plu, et du coup, il y a plein de gens qui nous ont dit, ah, si vous faites une saison 2, je suis chaud. Et ça, c'est très agréable. Parce que du coup, la saison 2 de Team Foufou, les guests, c'est Adrien Méniel et Mister V. Et c'est deux, les deux personnes qui nous ont dit, trop bien, la Team Foufou, euh, si vous refaites une saison, je suis chaud pour être dedans. Donc quand ça se passe comme ça, c'est trop agréable. Quoi. Du coup, Annie est parti écrire, parce que c'est lui qui chapeaudait la Team Foufou, est parti écrire euh, pour, les, pour les deux guests, quand même plutôt Kali, qu qui voulaient tourner dans la Team Foufou. Donc ça, c'était quand même assez agréable la préparation de la saison de 2. Tout, dans la saison 2, il y a plein de guests, et c'est que des gars qui nous avaient dit, hey, si vous faites une saison 2... Plutôt cool, plutôt cool. Quand ça se passe comme ça. Oh putain Merci beaucoup Chris Prout pour ton deuxième mois. Tu es hyper, je te confirme, tu es hyper. Le sketch des alternatives sur le licenciement, c'est top 3 facile des vidéos YouTube pour moi. Ah bah c'est sympa et pas troisième. Ouais j'avoue elle est bien euh, celui-là là effectivement. Ah bah vous voyez pas. Attends, je vais ramener mes trucs. Plus... Je vais ramener mes trucs plus près de moi. Hop là. Effectivement les alternatives. Bah j'ai les ai revues il y a pas longtemps. Les deux autres sont moins clairement moins bien mais celui-là il est vraiment bien. Il y en a trois des alternatives. Et les autres sont un peu. Il y a des très bonnes vannes dedans mais des trucs qui marchent pas trop et tout mais les alternatives se faire licencier, il marche vraiment très bien. Surtout il y a des trucs qui se répondent et tout. Il est vraiment, il est vraiment assez, très réussi. Sarthek à Freddy, c'est lui qui chapotait ça. Moi je chapotais les frères podcast. Freddy chapotait les alternatives et Anis la team foufou. Et après les unitaires, c'était euh, chacun son truc quoi. Anis il avait fait vidéo club, moi je faisais les courses poursuites. Enfin on travaille travaillait ensemble là, mais il y avait toujours un mec qui chapote. Sinon c'est trop c'était trop comme trop coplinqué Enfin voilà, je sais plus pourquoi on est parti sur ça. On est parti sur ça parce que le ski. Ah oui, voilà, quelqu'un m'a dit, c'est marrant, les... Les... le chat qui t'amène sur des trucs. On parlait de ski. Pourquoi on parlait de ski au début Ah oui, parce que. Quel... Ah oui, putain, c'est marrant. Vraiment, depuis le début, l'histoire, est... quelqu'un parle de. Oui, moi, j'adore faire ça. Hein. Je le fais des fois. Tu parles avec quelqu'un et tu dis, comment on en est arrivé là Et tu essaies de remonter le fil de... des huit enchaînements qui t'ont amené là. Et là, quelqu'un a dit. J'ai dit bonjour aux gens dans les transports, quelqu'un a dit bonjour de la Lune 3, j'ai dit tu vas où Le Valois, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas Acheter des skis pour une poussette. Le ski, j'aime pas, j'ai arrêté le ski, t'as commencé le skate Non, mais je m'habillais comme un skater. Ah bah tiens, ça me fait penser à la Team Poufou. Incroyable la vie quand même, hein, ce cheminement, il est pas incroyable Dites oui dans le chat. Dites oui dans le chat. Attends, qu'est-ce de quoi Des gars foufous de MTV à la Jérôme Niel Parce qu'il fait ça premier degré, lui, sur MTV. Il a fait ça premier degré. Bah, bon, c'était pas. Il, il faisait pas des. Là, là ce qu'on parodiait, c'était plus les émissions euh, de Quinri que nous, on, qui étaient doublés en français derrière. T'avais des Américains qui faisaient. Enfin, c'était pas des bails de Next, mais c'était dans cette mouvance-là, quoi. Lui, il faisait des trucs sur la musique, euh, Jérôme Niel. C'est les trucs doublés derrière les doubleurs qui faisaient. Nous allons tout de suite nous rendre dans le garage de, Christi, de Christophe. Mais j'avoue, l'idée de les doubler en direct, c'était marrant. Parce que nous, du coup, on parle en français directement doublé dans les trucs. Ça, c'était l'idée un peu, un peu cool que j'aimais bien. Et Canis maîtrisait de ouf. Hein La blague du micromania dans le dernier vidéo club de France, ça nous a duré trois ans avec mon frère. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, c'était c'était cool ça. Et on a vraiment tourné, on a tourné dans un vrai, dans un des derniers vidéo clubs, dans un des derniers vidéo clubs de de france quoi. Il était très cool de nous avoir reçu, le gars. Qu'on a rappelé Saint-Rémy vidéo, mais ça c'est un vidéo, c'est un vidéo futur en fait. Enfin, c'est un ancien vidéo futur. Mais je pense pas qu'il existe encore. Hein. Et <laughs> Smallville, c'est Anis qui avait ramené ses DVD de Smallville, je crois en plus. Mais oui, effectivement, il y a un running gag euh, sur Micromania. C'est le, les seules fois où le gars a des clients qui viennent dans son vidéo club. C'est des gars qui viennent pour, parce qu'ils pensent que c'est un Micromania parce que c'est bleu. Une soudaine envie d'avoir accès à des dizaines de films. De films ah, pas du tout. De l'extérieur, j'ai cru que c'était un micromania. Vous êtes pas, non Il y a un retour à la fin, c'est ça, je crois. Un service personnalisé à la... <laughs> Alors ça, c'était moi, ça, c'était ma vanne que je, à laquelle je tenais absolument à Nice. Je me disais, je comprends pas trop, mais vas-y, je te follow sur Jean Reno. <laughs> Saint-Rémy vidéo, c'est l'accès le plus rapide à des dizaines de vidéos après Internet. Connaissez-vous l'acteur Jean Reno <laughs> Micromania Ouais Non. <laughs> La longueur. Ouais, puis c'était cool de faire un sketch euh, type The Office filmé au caméscope. C'était Fabien, euh, Fabien Cheval de FDP qui avait un caméscope et qui avait cadré ce sketch. Et j'aimais bien la vibe camescope. Regarde regard cam, The Office, tout ça. Et c'est marrant parce qu'il est dans le prochain gauche-gauche-droite-droite. Droite, il y a un tout petit moment où Anis, il, il fait genre, il joue pas bien. Et Enfin, il fait mal euh, le journal, enfin, le web, ouais, l'animateur. Et c'est tout à fait la vibe team foufou, la vibe euh, vidéo club. Les aficionados se reconnaîtront. Oui, voilà, à la fin, il y a juste Micromania et le client se barre. Et le Valois nous a aussi fait partir sur Webedia, puis Michou mort et Michou jeune. C'est vrai. C'est vrai que c'est beau, quoi. C'est beau, quoi. Mais il faut que je fasse gaffe parce que quand il le... y a autant de rebonds dans le chat, on lance en retard les bails. Et le matin, on n'a pas le droit d'être en retard. Donc dans, dans 10 minutes, on se fait les résumés d'Hélène et les garçons. Merci d'avoir dit oui dans le chat. Vous êtes formidables. Bienvenue Table of Picnic. Je sais plus pourquoi je vous avais dit de dire oui par contre, mais merci. Les cambrioleurs, c'est banger aussi. Bah il est, le, les alternatives, les cambrioleurs, je trouve ils marchent un peu moins. Il y en a qui marchent bien dedans. Genre quand quand je dis à Anis nice, chum en vrai, un truc comme ça. Ça j'avoue, ça marche très bien. Oh oui, salut ma poule. Merci beaucoup, salut ma poule pour le deuxième mois. Il sort dimanche, le gauche gauche droit, droite droite. Je l'ai montré hier soir à Freddy et à Nice. Et du coup, j'ai un... filmé. Parce en général, je leur montre toujours la vidéo pour avoir euh, leur retour. Euh... Euh, du coup, j'ai filmé, euh... filmé le, le React. Et euh, on le regardera ensemble sur Twitch. Du coup, je vais faire un React au React, entre guillemets. Quoi. Enfin non, pas entre guillemets. Et du coup, on pourra en discuter ici. Genre, la vidéo, je la sors dimanche. Et lundi, le lendemain, à 20h, je vais faire un live où je vais monter le React. Et on le mettra ensemble et on pourra en discuter tous ensemble. Si ça vous dit, dites oui dans le chat. Je ne sais plus pourquoi vous avez dit oui avant, mais dites oui dans le chat en tout cas. 1-1-1. <laughs> un, un, un. Et attends, quelqu'un avait dit un truc quelque part. D'ailleurs, maintenant que il dit tu t'as dit quoi D'ailleurs, maintenant que Golden n'existe plus, à qui reviennent les revenus de ces vidéos Tiens, c'est vrai ça <laughs> Là, on a fait une vue, on a fait un centime, là À qui ça va Bah, en fait, ça appartient toujours à M6, donc j'imagine que ça arrive à M6. Vu que vous avez suivi, ils avaient, ils avaient essayé de. C'est fou quand même ça. Mais ça, on, nous, ça, nous, on avait un peu peur de ça depuis longtemps. Parce qu'on les voyait des fois faire ça, les gens. Tu sais, t'as une chaîne YouTube, t'as des abonnés, et puis soudainement, t'effaces le contenu, tu changes le nom, <laughs> et t'as des abonnés. Et les gens, ils comprennent pas pourquoi ils voient des vidéos de trucs. Ils disent mais je m'en branle moi de ça. Mais c'est un peu c'est sournois parce que tu t'en rends pas compte parce que comme aujourd'hui, plus les gens vont jamais dans l'anglais abonnement. Juste ils regardent ce que l'algo propose. Bah si, si tu changes une chaîne YouTube auquel un gars est abonné et que tu poses des nouveaux trucs et que tu changes le nom, ça arrive sur ta page d'accueil et tu te dis juste ok il y a ça qui arrive sur ma page d'accueil. Tu crames même pas. Et du coup, même si ils ont fait ça avec Golden Moustache quoi, c'est fou quoi. Et ça, on, a, on y pensait à ce truc-là depuis longtemps. Quoi. Et un jour, euh, on voit que la chaîne s'appelle M6 Officiel avec des vidéos du meilleur pâtissier. Ils n'avaient pas effacé toutes les vidéos de Golden Moustache, mais quand même, le culot. quoi Mais je, je pense que c'est un gars qui s'est pas rendu compte. Il y a un gars dans les bureaux qui a dit Mais on a une chaîne à 3 millions d'abonnés, parce que c'est énorme, il hein, y a 3 millions d'abonnés sur la chaîne Golden Moustache. Et du coup, ils se sont dit Bah, ça sert à rien ça pour qu'on a ça. Trop bien. Bah, on va mettre nos trucs dessus. 3 millions d'abonnés, c'est génial. Et maintenant, ouais, mais il y a eu un, un lever de bouclier, c'est cool, hein, sur euh, sur Twitter et tout machin. Les gens, ils ont dit, mais vous avez cru que c'était la fête ou quoi Et du coup, ils ont dit, pardon, 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 pardon. Et ils ont euh, renommé la chaîne Golden Moustache, mais ils ont mis entre parenthèses M6 quand même pour dire, bon, quand même, bon, quand même, c'est nous quand même. Hein. On savait pas qu'on avait ça, mais c'est nous quand même. Mais bon, c'est pas gagné que qu'un jour ça ressaute, quoi. Mais nous, l'avantage avec multiprise, avantage inconvénient. Hein, c'est qu'on sait que ça ne pourra jamais nous arriver qui tège notre chaîne parce que les identifiants ont été perdus. Il <laughs> n'y a pas d'identifiant, il n'y a rien. Voilà. Donc euh, techniquement, ils peuvent pas changer le nom puisqu'ils euh, peuvent rien faire avec la chaîne. Mais ça veut aussi dire que si un jour, euh, tu sais, des fois, Google, euh, ils envoient des mails et ils disent cette chaîne est inactive. Euh, faites un truc dessus, tu sais, même sur une adresse mail ou quoi. Sinon, euh, c'est déjà rien sur des chaînes YouTube. Quand il se passe rien sur une chaîne YouTube pendant un moment. Ils disent euh, faites un truc sinon on l'efface. Mais là j'espère que comme il euh, y a 358 000 abonnés sur la chaîne multiprise, j'espère quand même qu'ils ne vont pas effacer une chaîne à 358 000 abonnés. Mais en tout cas, on n'a plus la main dessus. quoi. Je sais qu'à un moment donné, euh, Golden il nous disait vous avez la main parce que nous on a perdu la main quand ça existait encore. Et j'ai cherché la main parce que je me suis dit ah bah cool je vais essayer de récupérer la main et il n'y a que moi qui la main dessus. <laughs> parce qu'en plus sur la chaîne, bah, évidemment on y tient, nous c'est notre petit, notre petit bébé de l'époque. Mais on a, sur cette chaîne, il y a les premiers « Il fait tout noir ». Il y a les premiers « Il fait tout noir » sur cette chaîne. Donc, euh, dans un... Et puis, enfin, tu vois, ils, ils sont là. « Il fait tout noir 1 »,« Il fait tout noir 2 », ils sont sur la chaîne de multiprise. Puis même, au-delà de ça, évidemment, on n'a pas envie que ça saute, quoi. Bah ouais, c'était marrant, ça. Qu'est-ce que c'était du taf Parce qu'on faisait tout, tout seul, quoi. Puis moi, je suis très contrôle-fric. Et du coup, c'était... Et sachant qu'on faisait multiprise... Quand même temps je bossais sur Quotidien avec Panayotis et Freddy. Et quand en même temps sur la saison 2 je faisais ma chaîne YouTube perso. Ah, c'était un délire. Hein c'était un délire. Pour la VOD je chante la musique. Hein depuis l'année dernière, les comptes Google s'effacent si tu ne fais pas une action dessus pendant trois ans, je crois. Waouh T'imagines, ils effacent la chaîne Ouais, mais ça ne marche pas sur des chaînes avec autant d'abonnés, je pense, quand même. Et puis, il y a encore des vues commentaires, je pense, donc elle est relativement active. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est marrant parce que quand Freddy, il a pété, euh, genre en 2019, avec Mirador et tout ça, machin, bah, la chaîne, elle a pris euh, des vues, quoi. Parce que je pense qu'elle avait pas... Je sais pas si elle a pris des abonnés, mais peut-être, hein. Mais du coup, des fois, je suis retourné sur la chaîne et je faisais quoi Ça a autant de vues Genre les profs rockers, 689 000 vues, ou les ou des alternatives, 1 million 4. Je fais quoi Il y a des vidéos que les alternatives se faire licencier, 1 million 6. La course poursuite, 2 millions 7. Ah ouais, putain. C'est une pub de quoi 2 millions 7. Putain, on faisait des fats de trucs, hein. Mais on les a pas faites tout de suite. Je crois qu'il y a pas mal de trucs qui ont pété. Les frères podcast, les, les mots de passe un million, ah ouais c'est fat. Et il y a des trucs qu'on pétait ouais après quoi, en mode quand Freddy l'a pété quoi. Il a pas pété vraiment, hein. attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, donc ouais ça fait encore un peu des vues ouais. Bon il y a des trucs qui vieillissent correctement quoi. Il y a des trucs pas ouf hein. Il y a des trucs aussi, parce qu'à cause de certains sketchs, je devais me raser. Il y a vraiment des sketchs où je me déteste. Je me trouve ah, en ch... sort celle là là. Je me hais. J'ai les cheveux filasse, gras. Je suis gros, là, je suis tout rasé. On s'était même pas entraîné à ce putain de jeu avant. C'est ridicule. Heureusement, j'ai un t-shirt Didier. Mais je me hais, quoi. Donc ça, si quelqu'un pouvait euh, récupérer les codes de la chaîne pour l'effacer, ce serait bien. <laughs> Les derniers frères podcast avec un guest de ouf, ouais bah pareil c'est un peu relou et ouais, j'avoue. Bah surtout que c'est le père des frères podcast que les frères podcast pour ceux qui connaissent pas tout l'enjeu de la série, c'est qui va reprendre la société de papa entre les deux frères, Freddy et moi on joue de deux frères, et dans la saison 2 on découvre le père podcast, et il est joué par Norman donc bon, pas dingue, pas dingue forcément. Quand on me dit alors la fin des frères podcast, je dis bah vous savez pas le père podcast, enfin euh, non, à un moment donné, je disais, il va en prison, mais non, du coup. Mais non, du coup. Ah. Donc Squeezie a quelque part engraissé M6, c'est une honte. Pourquoi En fait, faudrait que je lise des, quand je lis des, des. Vous répondez à des trucs que je dis, mais je les lis trop tard, quoi. Déjà qu'il y a un décalage de tapage, parce que vous êtes trop lent sur vos claviers. Freddy, il est à pas pété en Polynésie. Exactement. D'ailleurs, c'est aussi votre, votre père à vous trois dans la vraie vie. Ouais, malheureusement, oui. Ah oui, euh, Squeezie a engraissé M6 parce que euh, Mirador, ça y est, j'ai compris. 12, oh putain, il est 12. Oh putain, il est 12. Euh, les, les subbers, vous avez subé pour voir ma fracture ou pas, au fait Salut ma poule. Non, salut ma poule, t'as subé pour euh, faut que je réponde à ta question, qui est le gauche-gauchon à droite, sort quand. T'es que dégu et Chris Prout aussi, alors ça a ce euh, B, vous voulez pas voir ma fracture, vous en branlez quoi. Enfin, ma fracture. Ma potentielle fracture, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du pieu. Oui, j'attends depuis tout à l'heure. Moi, je vais sub pour la fracture. Ah, on attend Kaji, Kajius. On, on attend, il y a Kajius qui, veut sub, qui va sub pour la fracture, on l'attend. Tu vas vraiment le faire ou pas Dans ce cas-là, je m'épose, je vais entendre l'alerte. Ah, on l'a raté, putain, merde, on a été presque synchro. Tu peux resub s'il te plaît, Kajius, pour euh, le mois de mars nanana, nanana. Nanana. Bon, bah je mets. Hein. Alors. Et, attendez, il n'y a, euh, a pas Zirel Zirel, t'es pas là Si Zirel est pas là, on se remet euh, Houdini hein, avant de lancer Les garçons. Parce que je vous rappelle, c'est ma chanson préférée. Houdini de Doualipa. Donnez de l'amour à Doualipa dans le chat, même si elle ne le lit pas. Euh, on va se mettre Houdini tout de suite, il n'y a pas Zirel. Faut profiter, parce qu'il pète un câble quand je mets Houdini. Et bon, je suis quand même un peu à l'écoute de. Oh Putain, il a offert un. Cagius il a offert un, un abonnement à, Be à Bernays, et ça, ça régale. Amour à Doualipa. As-tu lui offert pour le mois de mars <laughs> Non, Doualipa, mais c'est pas grave, donner lui quand même de l'amour dans le chat, ça fait plaisir. Regardez, elle est juste là. Putain, faut profiter, il n'y a pas Zirel, on va se mettre bien, les frères, on va se mettre bien. Parce que la semaine dernière, à chaque matinale, je l'ai mis trois fois de suite en début de matinale. Parce que moi, je, je pourrais écouter la même musique toute la journée, moi. Donc sachez que trois fois, pour moi, c'est très peu. Attends, je vais me mettre ça un peu plus fort. Oudini. Oudini. Alors. Euh, donc, il faut que je monte ma fracture. Merci en tout cas hein, Cajius pour ton sub et le sub offert pour le mois prochain à Bernese. 1-1-1-1. Donc, fracture le 31 dé dé décembre, enfin le 1er janvier à 2h du matin. Nouvelle fracture faite 3 semaines plus tard, un mois plus tard. À quoi ressemble? Nouvelle fracture, nouvelle radio de cette potentielle fracture. On ne sait pas. Ça se trouve, je fais des radios un mois après juste pour vérifier s'il n'y a toujours pas de fracture. On ne sait pas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, attention, il va enlever le carton. Bam. Le pied, il est toujours fracturé. Ça se voit sur la radio. Je vous montre l'ancienne. Voilà, je monte tout moi. Hop. Ancienne, nouvelle. Ancienne, nouvelle. Donc vous pouvez constater que j'ai toujours une fracture geek, mais un peu moins. Houdini. Houdini. Et donc voilà, on, on, vous avez reconnu, je crois, la, le, le cosplay. Hein, pas besoin de, de name drop, le gars. Donc c'est toujours Harry Potter mais un peu moins. Ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Donc euh, ah, je me, me dé-Harry Potterise de la fracture, tout doucement, doucement mais sûrement. Ton pied parle fourche langue. Alors je je suis pas un Potterhead, on hein. va voilà, pas à se mentir. J'ai vu les Harry Potter quand même. Pour, euh, en, en, c'était un geste d'amour envers une ex qui était méga fan. Donc, je les ai tous vus, donc je connais hyper bien la série, euh, la prof, là, euh, Madame Bellefeuille, euh, tout ça. Je connais hyper bien. Mais après, de là à, à dire si mon pied parle fourche-langue, c'est un peu trop me demander. Mais j'imagine que oui. On dit oui ou pas un, 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 un. Ton pied épouffe-souffle ou cerdaigne? Alors, c'est serre-daigle, par contre. faut pas exagérer, quand même, j'ai des connaissances. <laughs> Mais euh, il, est euh, il est il est pouf souffle, ouais. Non, je pense que c'est juste un pied. Ah, bah décidez-vous, Madame Bellefeuille est le prisonnier <laughs> d'Ascaban Exactement, c'est mon préféré, celui-là. <laughs> Madame Bellefeuille, autocorrecteur, Cajius. ouais, c'est ça, ouais. T as, t as, non, tu, pour toi, tu pensais que c'était Sardaigne. Tu fais genre t'es fan, mais t'es comme moi en fait, t'es un, un faux fan, c'est juste pour plaire aux meufs. Moi c'est pareil, je me suis pété faussement le pied, c'est une fausse fracture. C'est Sid qui me l'a fait sur Photoshop, pour, pour que je drague des meufs quoi. Vous vous rappelez, on avait fait une photo de profil Tinder avec ça, avec la, la photo d'Harry Potter. Madame Bellefeuille, c'est pas un personnage des séries AB Ah j'avoue t'es fort Kajius, effectivement, c'est un personnage de, des filles d'à côté, bien joué, bien joué. Je te crois du coup sur le, le, coup, le coup du correcteur. Mais étonnamment, il n'y a pas le correcteur, il écrit bien Madame Bellefeuille, mais il écrit pas bien Serre d'Aigle. Bizarre. Tu veux dire que le correcteur, il c'est il est, il est, est pas un Potterhead Houdini. Ça plaît aux meufs d'aimer Harry Potter, j'ai pas eu le mémo. Bah. bah en tout cas, il euh, bah y a toute une génération de gens méga fans d'Harry Potter, je sais pas si t'es au courant. Donc, euh, oui. Fun fact, en Russie, c'est Gary Potter. Sérieusement Mon correcteur, c'est Jean-François Pourri. J'aime. Globalement, ça plaît à pas mal de monde. Ouais, bah ouais. Bah non, mais surtout, enfin, parce que moi, en vrai, les, les vannes de. Ah ouais, no joke, c'est Gary Potter, c'est drôle. Les, les... Moi, les bails de Hélène et les garçons, c'est aussi parce que c'est un truc générationnel. Et le fait d'avoir grandi avec les personnages, tout ça, tout ça. Et c'est vrai qu'Harry Potter, en termes de grandir avec les personnages, c'est quand même une dingue. Tu peux... Parce que les les gens... C'est fou, quand t'avais 10 ans, quand ça a commencé, et tu t'es tapé 10 ans de, es de bouquins, de films et tout qui grandissent avec toi. Pff, comment tu veux faire plus culte que ça, quoi Mais moi, j'avoue, j'ai découvert ça... J'ai découvert ça beaucoup plus tard, quoi. Mais c'est cool, hein Mais après, c'est pas, pas ma vibe... Même les, même les ruc, fantasy, tout ça, machin, euh, Seigneur des Anneaux, tout ça, j'aime bien, mais c'est pas mon, c'est pas ma, c'est pas mes trucs préf, quoi. Je préfère les trucs euh, qui se passent dans le monde de maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Disons que si tu cherchais à grandir avec Hermione et Harry, ça, pouvait, ça pourrait tomber sous le coup de la loi. Toi, t'as grandi avec Nico et José. Bah, ils étaient plus grands que moi après. Mais oui, il y a un côté un peu ça. Ce qui est marrant, moi, ce qui, ce qui me fait triper sur les années garçons, c'est que c'est que ça durait longtemps. Mais en vrai, je kiffais Prom Dug quand j'étais en primaire. Mais eux, ils étaient à la fac, hein, je vous rappelle. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Harry Potter, il y a un, une vraie vibe de. T'avais le même âge que les gars, quoi. Enfin, tu pouvais potentiellement regarder ça tout petit et t'avais le même âge que les gars. C'est fou, quoi. C'est fou, quoi. Mais voilà, moi, quand j'ai vu Christian qui se drogue, j'étais en primaire et ça m'a un peu choqué, quoi. Ça m'a tenu éloigné de la drogue. Pendant 15 jours, je pense, j'ai commencé. Euh... Ouais, en CM2, l'héroïne. J'ai grandi avec Squeezie, le youtubeur. Bah oui, en vrai. Hein. C est... C est... Bah, en vrai, de ouf. Pareil. Hein. Moi, j'ai grandi avec Sangoku. Ouais, mais le problème de Sangoku, c'est qu'il a grandi d'un coup, d'un seul, et pas nous, quoi. Moi aussi, j'ai. Enfin, voilà, moi, je l'ai vu avec l'ellipse où il prend euh, 10 ans, là. Je sais pas combien de temps. Mais ouais, grandir. Oh putain, il est 21, attendez, attendez. Mais il euh, est garçon, en tout cas, voilà, au-delà de l'âge. J'ai kiffé Prom Dog tout gamin. Après, euh, quand tu, tu deviens sarcastique euh, au collège, lycée, les sitcoms AB, tu disais, ah, c'est nul, mais tu avais de l'affect pour le truc. Mais tu disais, c'est nul. C'est ça, ouais, quand j'étais au collège, après, c'était le miracle de l'amour. Quand j'étais au lycée, c'était les vacances de l'amour, quand ils sont sur l'île et tout. Après, tu revo je revoyais des sitcoms euh, La nuit sur le câble et tout ça, machin. Et tu, tu disais, ah, c'est marrant, ça rappelle des souvenirs de, à l'époque. Puis après, ils rebootent la série il y a, y a 12 ans pour faire les mystères de l'amour. Et là, tu dis, ah, ouais, c'est culte. Et donc là, regarder ce second degré avec mon ref, mais avec quand même beaucoup d'affection pour le, le fait de développer cet univers, que ce soit le même scénariste qu'à l'époque, c'est fou, quoi. Et aujourd'hui, que tous ces gars, 30 ans plus tard, ils jouent toujours ensemble les mêmes personnages, évidemment que je trouve ça hyper trippant. Mais c'est plus un délire de famille et de, et de dialogue avec le créateur qui, qui passe son temps à faire des références au truc d'il y a 30 ans. Enfin, tu sais, il y a une magie, un truc qui est fou, quoi. Mais ça n'a pas... Non plus l'impact que peut avoir dans la vie de, de, de gens qui ont grandi en même temps qu'Harry Potter et qui trouvent toujours que c'est du contenu de où il n'y a pas du tout de second degré, quoi. Allez, il y a marqué 10h15 sur le titre du live, tout à fait. Moi, c'était les stars Disney Channel, Miley Cyrus et Lana Gomez. Bah oui, vous avez de la chance, moi, j'ai grandi chez Michael Jackson. <laughs> bah, bah t'avais un parc d'attractions à la maison, hein. Et puis bon, je souhaite qu'il qu n'ait rien fait de particulier parce que j'espère quand même, je suis pute, j'espère, pas parce que je suis fan de Michael, mais plus pour les gamins, qu'il euh, qu était asexué et qu'il n'a jamais rien fait de déplacé. Croisons les doigts. Je, je connais pas le dossier, hein, je ne vais pas vous mentir. On parle des années les garçons, les filles d'à côté, mais quid de pour être libre la série des to Be free sortie à la même époque. Bah, elle est pas sortie vraiment à la même époque, en fait ça fait une grosse différence. Hein. Moi les années les garçons premier baiser, c'est la série juste avant les années les garçons. Moi j'étais en primaire. Donc tu regardes ça premier baiser, tu regardes des grands qui ont des histoires d'amour, ça te fait rêver. Tu regardes les années les garçons et tout tu te dis ah trop bien la fac et tout ça machin. Moi les to Be free, la site comme des to Be free et enfin les années les garçons c'est euh, premier baiser, c'est 91 92. Moi je suis en primaire, je suis vieux hein. je vous rappelle j'ai eu 40 ans cette année, enfin l'année dernière, enfin, bref, depuis il y a pas longtemps. Et, euh, et les to be free, ça sort, je suis, au, je suis, au, je suis en troisième. C'est plus du tout... Le gap, il est vertigineux entre t'es en CM1 et t'es en troisième. T'as pas du tout la même exigence. Et du coup, nous, les to be free, on regardait, mais pour, pour, être, pour rire, pour ce, pour, parce qu'on disait que c'était... On trouvait ça génial que d'un coup, t'aies un groupe de gars qui, de musique qui se mettent à faire une comme AB avec les codes des garçons, c'était fou. Et du coup, c'était fascinant, mais fascinant en second degré. Quoi. Enfin, c'était fascinant, mais pas prom dog en tout cas. Et, euh, et surtout que les To Be Free, quand c'est sorti, euh, en parallèle, il y avait Friends qui est arrivé sur France 2. Donc là, j'ai basculé dans un autre monde, quand même, qui est hautement plus qualitatif. Quoi. Donc, euh, j'ai pas grandi avec les To Be Free, non. Mais en tout cas, j'étais fan. Euh, on était fan, on était mort de rire sur les To Be Free. Quoi. Allez, on va se mettre la suivante, quand même, pour répondre aux questions de, de Miley. Et après, on va aller du côté des les garçons. « Moi j'ai grandi avec mes parents, vous avez de la chance. »« Bah moi non, alors euh, c'est toi qui as de la chance. Hein. »« Tu veux foutre une sale ambiance, c'est ça ?»« Non, ça va. »« Si quand j'ai découvert Hélène et les garçons, non, mes parents n'étaient pas encore divorcés. »« Ils ont attendu justement que je découvre Hélène et les garçons. »« Est-ce que tu peux t'acheter des fleurs toute seule »« Est-ce que tu peux écrire ton nom dans le sable ?»« Parler avec toi pendant des heures, je pense pas quand même. » Ah si tu peux, ok. Des trucs que tu comprends ou... Ah, il n'y a que toi qui comprends. Et... Ok, bon, bah très bien, alors profite. Après, je sais plus ce qu'elle dit. Tu peux t'emmener danser toute seule Ah, tu viens de le répondre, pardon, je n'avais pas écouté. Alors... C'est comme s'il y avait une série avec Magic System. Non, mais en vrai, c'était n'importe quoi que d'un coup... Euh... Et surtout, ça j'en parle dans ma vidéo bonus sur ma chaîne secondaire sur mon rapport au sitcom AV Production. Ce qui est marrant avec la sitcom des To Be Free, c'est que, ok, les to, Free faisaient une... euh, les to Be Free, pour les gens qui ne voient pas, c'était euh, Partir un jour sans retour. Voilà, c'était euh, Boys Band, un peu. Euh, voilà, euh, C'est pas considéré comme un truc méga quali, mais c'est culte. La preuve à la Stara qu'ils l'ont chanté cette année. Euh... On... C'est les mêmes réponses aux mêmes questions Ok, bon, ça déjà. Et, euh, et quand c'est sorti, quand même, même si j'avais la conscience du fait que. En vrai, je trouvais que c'était ridicule de la part des To Be Free d'aller dans une site comme AB Productions comme si ça allait euh, niquer leur image. Donc c'est marrant la perception, parce que ça veut quand même dire que pour moi c'était un peu un vrai groupe, un peu classe. Parce que je me disais, ils vont faire une site comme AB, mais du coup, ça va être, ils vont être ridicules. Voilà, donc j'aime bien me rappeler ça, parce que ça remet les choses en perspective. Quoi. <laughs> Mais c'est fascinant. Ben, un jour, de euh... toute façon, avec toutes les sites comme AB qu'on a, qui a à dispo euh, le bingo, on peut le faire longtemps, hein, le bingo série. Même si on sort dès l'année les garçons, on sait qu'on a de la matière. Hein. To be free, euh... Après, ce qui est chiant avec le to be free, c'est que c'est aussi. Euh... C'est fleuri, mais c'est aussi relativement problématique. Le rapport aux meufs est quand même un peu compliqué. Philippe, il a 14 meufs. Uh, 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 uh. Dire que je faisais comme eux. Ah ouais, t'étais fan des 2 free euh, Kajius Petit déjoli, Marcel pour dormir, ça c'est les 2 free Mais non, mais les 2 free c'était tout le temps à poil. Parce que là, j'ai revu il n'y a pas longtemps un peu des bails, et je me disais, ah ouais, mais les meufs, elles devaient péter un câble sur les 2 free quoi. Ou les enfin, les, gens qui aiment... les personnes qui aiment les hommes sur les 2 free les ados, là. Il y en a que je pense, qu'on dé... qu découvert leurs premiers émois. Avec les tout bifs. Tiens, au fait, Aurélien Prévost, le premier épisode sur José a été diffusé. Ah putain, il est parti, José, dans les mystères de l'amour Il y a une commande, je crois, pour expliquer ce qui m'arrive là. Ah putain, bon, faut que j'aille mettre Hélène et les garçons là. Ah putain. Ah putain. Ouais donc José, hein, la série qu'on regarde les matins, le matin les amis, elle existe toujours 32 ans plus tard, elle s'appelle Les mystères de l'amour et José a annoncé son départ il y a quelques semaines et là ça y est le premier épisode sans lui a été diffusé donc ça veut dire qu'il y a eu un épisode de son départ quoi ah, J'ai pas regardé, je sais pas si je suis capable, je sais pas si j'aurai la force de, vo de voir ça Tu, Miss Mev, tu reprends Miley sur, euh, <laughs> sur, euh, sur son anglais. Miss Mev est prof d'anglais, hein, pour les gens qui savent pas. Euh, tu penses que tu vois, lis pas le chat, mais Mylène, lit, Mylè lit. Du coup, je pense qu'elle te lit. Bon, bah cool. N'hésite pas à lui expliquer, effectivement. Après, bon, ça va être compliqué. Si elle chante d'autres paroles euh, en concert, les gens, ils vont dire, bah, chante les paroles de la chanson qu'on connaît, peut-être. Donc, c'est un peu tard, quoi. Mais bon, pour la prochaine fois, quoi. Il y a des rumeurs que c'est pas tout à fait sa décision de partir vu le départ hors caméra. Ah, parce qu'il n'y a pas de départ dans la série Si, si, c'est sa décision de partir. Il, bah, il a fait une vidéo euh, face cam euh, très longuement et tout à fait posée. Et... et puis Azoulay, il fait partir personne. Hein. Enfin, à part si les gens sont problématiques, quoi. Mais euh, Philippe Vasseur n'est pas problématique du tout. C'est un, une crème. Non, je pense pas. Hein. C'est des rumeurs à la con, ça. Choisis. Mais par contre, tu parles de départ hors caméra, donc il n'y a pas de, de départ euh, d'épisode de, de gros en revoir. quoi. Le plus problématique, le plus problématique ça reste Marc des filles d'à côté. Je sais pas, hein, parce que Marc des filles d'à côté, il, il veut Pécho, mais on a le droit de vouloir Pécho dans la vie. Je ne pense pas, hein, moi, je ne pense pas. Je n'ai pas analysé, réanalysé la série adulte, mais je ne pense pas. On a le droit de vouloir pécho des ses voisines, quoi. Non, Miley Cyrus Norse uniquement. Elle a acheté le code. <laughs> Miley. <Myli. rire> oui, voilà. Bah on a la réponse dans son nom, en fait. Miley. Myli. Miley. Un, 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 un. Mais pas du tout. Il est juste parti. Voilà, on est d'accord. Non, non, mais ça saurait si le. Y a pas de souci. Enfin. De, ma, de, de, ce que de ce que je connais un peu des coulisses et de ce qu'on a vu comme vidéo d'annonce de départ, je pense qu'il y, qu y a. Tout va bien du côté de Philippe Vasseur, du côté de José. Car oui, c'est une fiction, José n'existe pas vraiment, les amis. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps, mais j'ai l'info maintenant. Alors, les potes, José reviendra peut-être pour la série d'après, La magie de l'amour. Bah, la vanne sur la série d'après, c'est l'EHPAD de l'amour, qui n'est pas de moi, mais qui est pas mal. Il est parti pour mieux revenir. Bah, J'espère. Mais après, c'est comme tout, hein. Quand tu pars, tu reviens peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'était prémédité. Tu sais, on accuse souvent les groupes de faire des faux départs et tout. Mais non, c'est parce que salut, c'est quoi, quoi C'est parce que des fois dans la vie, tu as besoin d'être vraiment convaincu d'un truc et de l'acter, acter, pour ensuite pouvoir revenir sur des nouvelles bases. Mais tu ne peux pas décider de faire un faux départ et tout ça. C'est juste des fois, tu as besoin de ça pour reboot. C'est un peu pareil même en séparation. Hein. Quand tu te remets avec une ex, si tu je pense que tu peux vraiment reconsidérer les choses seulement une fois que ça a été vraiment validé pour tout le monde, vraiment que tu n'étais plus ensemble. Et hop, tu peux voir les choses dans une autre perspective. Mais, mais les, de, de soupçonner les groupes de faire des faux départs, pour faire des fausses, des faux, des fausses séparations, pour faire des faux coups d'éclat ou des fausses dernières tournées, ça, doit, ça a pu exister. Hein. Mais moi, j'y crois pas trop. Ou même un gars qui dit c'est mon dernier film et après on dit ah bah super. C'est juste, tu as besoin d'être vraiment convaincu de ce truc-là. Pour pouvoir relancer la, la machine euh, d'une autre manière. na na Alors. Tac. Tac. Il est 10h30. Alors. Oh putain, c'est bien réglé. Par contre, est-ce que c'est le bingo actuel Non, putain, faut que je le refasse. Fais chier, putain. Fais chier. José reviendra peut-être pour la série d'après Les pattes de l'amour. Ça marche mieux là, non Tout à fait, Fafaf. Merci encore, Fafaf, pour, euh, pour l'overlay actuel et les Garçons. C'est toi, hein, je ne dis pas de bêtises, hein, qui l'a fait. Tu en avais fait une dernière version, mais euh, j'aime bien le cadre pas en 3D, en fait. Il y avait un T, il y avait du relief sur ton cadre d'après. Et euh, je crois que c'était surtout ça la diff, mais je préfère, préfère le cadre comme ça. Et tu avais mis un truc avec plus de place pour le bingo, mais comme il y avait écrit bingo sur le côté, ben en fait, ça faisait pas plus de place pour le bingo finalement, parce que ça m'obligeait à faire le cadre plus petit, je crois. Ah putain, c'est toujours ma vieille fracture par contre sur, le, sur cet overlay. Nanana, nanana. Alors, il euh, faut que je retrouve les nouveaux trucs qu'on a mis. Donc le bingo, il faut qu'on le mette à jour. Il faut qu'on mette. Nico fait un cri aigu. Il faut qu'on remette Big Flo parce que donc dans les années garçons il y a Johanna qui est Big Flo parce qu'elle porte sa casquette comme ça. Il faut qu'on mette Nathalie seule debout. Il faut qu'on mette. Seb fait une pause au milieu d'une phrase. Na 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 Tac tac tac. Putain, mais j'ai une tâche de de gras qui ne part pas. C'est énervant. Hein alors, attendez, on peut se remettre un peu de Zigmu le temps que je change le... Je refasse le bingo. Pourquoi ma souris, elle apparaît Pourquoi j'ai plus de souris Sur OBS, elle y est, mais dans la vraie vie, je l'ai plus. C'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire Là, la, 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 la petite flèche de la souris, là Sur mon écran, elle y est pas. Ah ça y est, putain. J'ai cru que j'allais devoir. arrêter Twitch quoi. Allez, l'ISO, let's go. Alors, on va se laisser, on va mettre l'image pour rassurer quand même les gens qui arrivent. Et pourquoi c'est de chez potes Ah, si, c'est en plein écran. Alors, les potes, configuration. Ah j'ai mal au yep. Un peu de Monster Magnet. <laughs> je sais pas ce que c'est Monster Magnet. On peut avoir la config s'il vous plaît Alors, donc je peux dégager. Mais il y avait d'autres trucs qu'on avait mis. J'ai l'impression que j'en oublie là. Il y a pas des, no des nouveaux trucs qu'on voulait mettre Est-ce que je me mélange entre mes cahiers ah, veste, épaule. Je pense qu'elle n'y est pas celle-là. Dans les. Si. Veste, épaule. Qu'est-ce qu'on qu qu avait d'autre Qu'on hésitait à mettre Il y avait Amour Express, genre il tombe amoureux en deux secondes. Quelqu'un en retard. Nico, voix aiguë. Big Flo. Nathalie, seul debout. Maintenant, je crois que c'est tout. Hein. Si vous avez d'autres trucs que j'oublie, n'hésitez pas à me dire pour ce bingo. Non, non, il n'y est pas le cri de Nico, faut que je le mette. Alors. Donc perche ou homme de perche, c'est bien. Fin d'un morceau, c'est bien. Bon, les mots sont coupés bizarrement, mais on va pas se plaindre. Euh, Putain, Christian, rire sur le truc bête, c'est rare quand même ça. Euh, Gouttière, je crois que je l'avais dégagé, mais attendez, je vais d'ailleurs virer course à faire parce que ça n'arrive jamais. C'est quand ils disent j'ai une course à faire ou il avait une course à faire quand j'étais petit, ça me, ça me, je me disais mais quoi. Ça m'avait marqué cette expression. Nico, bruit aigu. C'est dur, hein, les claviers. Je vous le dis, moi, les claviers de PC. Ok. Body shaming. Bon, pour avoir une case problématique, peut-être à la place de body shaming, je crois, on s'était dit. Qu'est-ce que je peux dégager déjà On avait dégagé les trucs qui sont, li qui sont liés à moi, je crois. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dégagé Ouais, les trucs où je pré quoi. Bon, on va virer un des deux, Christian. On va mettre Nathalie seule debout. Aïe, ah, mais là, les gens qui ne connaissent pas une année garçon, on aurait dû d'abord se mettre le générique pour vous chauffer sur ce que c'était. Mais vous allez voir, c'est super. Euh, Qu'est-ce que je dégage euh... Qu'est-ce que je dégage Rire sur truc bad, allez, ça dégage. Ça, c'est tellement rare en vrai. C'est pas un truc qui arrive dans tous les épisodes du tout. Mais quand ça arrive, c'est drôle. Ah, vous avez un petit. Vous avez un petit résumé d'Elena et les garçons dans le chat. Euh, veste, épaule. Ça, j'adore. C'est chiant pour faire les, les majuscules. Merde J'ai un Mac moi dans la vie. Mais putain Aurel, fais un effort. Pourquoi ça marche pas je vais, je, vais, je vais me battre en fait. Ok. Euh, Big Flow, Johanna et Big Flow. Bon, on va peut-être se foutre... On dégage le splatch. Ou alors on dégage les trucs sur moi, c'est ça, non Les trucs méta de Aurel, ça, ça joue pas. Nathalie joue mal, on peut la jeter pour être sûr de tout, de tout le temps gagner. On ne shame pas le jeu des acteurs. S'il vous plaît. Arrière, Prève d'Orel non, celui-là, celui on le laisse. Mais quand je dois euh, pré-shot quelque chose, faut le dégager. Euh, Seb, pose au milieu d'une phrase. Ça, j'adore. J'aimerais bien que chacun ait son truc. Putain, je vais péter mon crâne. Mais mets-toi en majuscule, bordel Seb, pose pendant phrase. Ça, c'est vraiment ma passion, ça. Mais ça serait cool qu'on ait une case pour, pour chaque perso, quoi. Euh, Jonah et Bigflo, je ne l'ai pas mis, là. C'est où Il y a un truc d'Orel qu'on peut dégager aussi. Sacré José, bien évidemment, ça reste. La valise, ça veut peut-être sauter. Gouttière, je l'avais dégagé, je crois. J'ai dégagé les deux trucs sur moi, là Chou sur le lit, j'adore. Enfin, j'adore, je déteste, mais c'est intéressant. Bref. mais là j'ai parlé avec un développeur euh, qui va peut-être me ah aurait le pre-shot dialogue, me faire un truc plus facile à reconfigurer. Même si merci beaucoup uh, Speedy si là d'avoir créé celui-ci, mais il a des petites, euh, il a des petites, euh... il est forcément améliorable. Parce que là, en fait, là pour info, là tout ce que je change, euh, si je veux faire une modif, je suis obligé de refaire toutes les modifs qu'on vient de faire là. Donc, en gros, c'est des trucs que, faudrait que je pense à faire avant les lives, on va pas se mentir. Mais ça serait juste bien que ça reste, quoi. Big Flow. Non, Johanna et Big Flow, et non Big Flow et Johanna. <laughs> Johanna et Big Flow. Ok. On est pas mal, là. J'ai mis veste-épaule, cri aigu. Seb fait une pause. Johanna et Big Flow. Nathalie seule. On est bien, là. Que... Lali M. Seb pour rien. Bah ça On peut la cocher, le cocher tout le temps, cette case. Vestier Paul y est deux fois. Ah merde. Ok, d'accord. Merci du tuyau. Copie toute une ligne et colle dans un dossier à côté pour pouvoir la recoller plus facilement à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Remarque le twist du caméo de Big Flo en Johanna. C'est intéressant. Ouais, D'un coup, t'aurais Big Flo qui arrive, et avec qui aurait l'accent américain, qui porterait des salopettes et qui dirait cri, -cri d'amour. Alors, veste-épaule, il y est deux fois. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre à la place alors Qu'est-ce qu'on va mettre à la place euh... Pourquoi il y est deux fois ce con. Bah. Qu'est-ce qui nous manque alors Alors, c'est où t'as dit Il y a deux fois sur épaule et c'est... Il est dans la ligne 1 et la ligne 4, ok. Ah oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fout à la place Début d'un morceau On se fait un petit délire, on met début d'un morceau, quand on avait fin d'un morceau. Il est dans la ligne 1 et la ligne 4. Bah oui, non, tu parles pas du métro i18, effectivement, parce que c'est il est dans la ligne 3, si on parle toujours de notre ami euh, qui nous a lancé sur euh, Michou. Euh, allez, début de morceau Début de morceau, allez hop. Comme ça on... on a les deux. Par contre, je sais pas mettre les accents ou je sais pas mettre les cédilles et tout euh, sur un clavier PC quoi. Un peu relou. Mise à jour de la configuration. Euh, ça va pas retour relancer au début. Oh, J'ai peur. C'est bon? Retour au bingo. On est bon? On est bon. Putain, on a fin d'un morceau, début d'un morceau sur la même ligne. Ça, c'est pas bon pour pouvoir faire une ligne. Ok. C'est plus lisible comme ça quand même. Hein. <laughs> ah, j'ai mal au pied, putain. C'est tout pareil que sur Mac, les accents et les dit Non, parce que sur Mac, quand tu mets verrouillage euh, majuscule et que t'appuies sur euh, 4, par exemple, euh, sur 2, par exemple, bah, t'as le E majuscule. Alors que là, si je fais euh, majuscule 2, ça me fait pas le 2 majuscule. Ok donc, c'est pas pareil. Je te ferai dire. Je te fred. Alors, les amis. Sur Mac, quand tu proposes une lettre. Quand... Il faut appuyer sur 200 majuscules. Tu me cherches, en fait. Tu veux qu'on se batte On va tout de suite aller vérifier s'il nous raconte de la merde. Raconteur de merde. Euh, par exemple, là, dans la barre de recherche. Donc si je veux t'appuie sur 2 sans majuscule. Ok bah si j'appuie sur 2 ça fait 2. Ok. Si j'appuie sur le... le si j'appuie sur... Euh, si je maintiens la majuscule et que je fais ça ça fait E. Mais si je veux un E majuscule et que je verrouille les majuscules ça fait... Ça fait 2. Donc tu dis de la merde. Tu vois hop. Aha Donc voilà. Bah ouais, et si je, suis, là, si je suis en match verrouillé, ça fait 2. Et si je suis pas en match verrouillé, ça fait... Attends, il ne suis... faut plus que je sois en match verrouillé. Voilà, là, je suis plus en match verrouillé, ça fait E. Et moi, je veux le E accent. Aha! Comment j'ai le E accent sur, euh, sur un PC Comment j'ai le CCD, euh, le E majuscule accent, je veux dire. Comment j'ai le C majuscule, CCD majuscule sur un clavier PC Aha J'imagine qu'il y a une technique, hein je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je ne sais pas comment on fait. Et apparemment, toi non plus. Ah, tu parles de E majuscule. Bah oui, je parle de E majuscule. Tu maintiens Alt gauche, puis tu tapes 144 avec ton pavé numérique. Bah niquez-vous, en fait. Attendez, mais vous êtes sérieux Ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien. Ça fait ça à moi. personne n'utilise le E majuscule et le CCD majuscule MDR. Bah si, par exemple là, je veux écrire euh, ça joue euh, la fin d'un morceau. Je sais plus ce que je voulais écrire avec le C. Mais bah, ben, ben, enfin bref, si. Donc 1 puis 4, 4. Qu que... Mais qu qu'est-ce me... qu que vous me chiez là Je fais Alt, en plus je fais 1, 4, 4, et ça fait ça. Ah, ça marche Bah pourquoi ça marche là Ça marche une fois sur deux Je suis taré ou. Ok, mais c'est atrocement compliqué. Pour faire un E majuscule, il faut faire Alt 144. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Alors, ok, ça marche, mais niquez-vous en fait. C'est insupportable. Pourquoi pas C'est n'importe quoi. On dirait que c'est un bug, que c'est un hack. Qu'est-ce que c'est que cette merde Si, si, c'est de votre faute. Si, 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 c'est de votre faute. Alors, retournons à nos moutons. Cette information a été oubliée. Vous hein. vous doutez bien que la prochaine fois que j'aurai besoin d'un M majuscule, je ne me rappellerai pas qu'il faut faire Alt 144. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, les amis, Hélène et les garçons, c'est quoi C'est une site comme culte des années 90. C'est les aventures d'étudiants qui n'ont aucune précarité dans la vie. Euh, L'héroïne principale, c'est donc Hélène, qui est en couple avec Nicolas. C'est l'épisode qu'on a vu la dernière fois, ça, le cheval de Troie Non, c'est le nouveau, ça, je crois. Attention, faut que je fasse gaffe. Ils sont en couple, Hélène et Nicolas. C'est la sagesse, la voix de la raison, les papas et la maman. Johanna, c'est Big Flo, regardez sa casquette. Christian, culte. Christian et Johanna, le couple culte. Elle fait mon cri cri d'amour. Lali et Sébastien, qui remplacent Cathy et Étienne. Ils s'aiment, on sait pas pourquoi. On comprendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'a aucune idée de pourquoi. Bene et José, mes crush. Je les aime d'amour, on va faire un truc ensemble tous les trois à un moment donné. La chambre des filles, dans lesquelles les garçons n'ont pas le droit d'aller. Le garage où les garçons répètent avec leur groupe de rock, bien évidemment. Et tout ce petit monde se retrouve à la cafette pour taper des énormes barres. Et nous, on va quand même se remettre vite fait en résumé ce qui s'est passé la dernière fois. Ah non, mais ça c'est pas... cette fois. L'amour toujours, alors c'était quoi la dernière fois ah ouais, il... il foutait de la gueule de José parce qu'il essayait de pêcher Agnès et qu'il n'y arrive pas. Alors que je vous rappelle que José est en couple avec Béné, hein, donc c'est quand même un peu spécial. Les des Big Flo. Big Flo, tout va bien. Euh, euh, tant pis. Si ça, ça rend... Elle, Johanna, elle voulait mettre en couple moi, Johanna, Canu oui. et Agnès, donc elle est dégoûtée parce que Canu, il veut plutôt oui. se taper Nathalie. Oui, oui, oui. Et ils ont Ken d'ailleurs, je crois, c'était la prédit de l'autre fois. Pour autre chose aussi. Hein. Donc, comme ça, tu trouves Canu, comme tu disais, sympa. Ouais, il est très gentil. Ouais, mais sauf que Canu, un peu, euh... il, veut Céus, il veut se faire Céus par Agnès, pas par, euh, par Nathalie, pas par Agnès. Quoi Donc là, José, il est deg parce qu'il dit qu'il est amoureux d'Agnès. Je suis amoureux d'Agnès, c'est stupide. Eh bah, et Béné, José, tu as pensé à Ah, j'avais pas vu quand même que quelqu'un disait ça. Parce que tu crois que ça se calcule, ce genre de choses. Est... Des idées de prédit. Alors oui, il va falloir faire une petite prédit euh, pour Miss Mev, là. Je suis complètement idiot, mais, mais c'est comme ça. Tu veux dire que tu n'aimes plus Bénédicte Mais je sais pas, je sais plus. J'en sais rien. Et puis. Et puis je veux plus savoir. C'est un acteur de théâtre d'un coup. il vaut mieux savoir quand même. Il vaut mieux savoir quand même, José. Donc du coup, il est perdu, tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme prédisque aussi Ça finit sur quoi l'épisode Je qu'il y a bien une autre solution. Ah bon ah ouais ça c'est génial ça c'est parfait si tu me fais concurrence maintenant ah, oui c'est que José tombe amoureux de Canu hein ah trop marrant imagine il serait homosexuel ça voudrait dire la dernière fois Canu avec Ken ouais c'était ça la de l'autre fois c'était Canu Ken Canu Agnès c'est ça et au final il avait Ken Nathalie quoi et oui la dernière fois toutes les meufs qui voulaient sortir avec Canu elles mettaient des cas devant leur nom c'était que Nathalie K -K Canu et, et Nathalie ça continue ça peut être effectivement la question qu'on se pose. José Excusez-moi pour tout à l'heure. Excusez-moi pour tout à l'heure. Oh Non, laissez-moi. Incroyable. Mais non, Canu, c'est rien à c'est pas un coup spécial dans Mental Combat. Non, c'est un coup spécial dans Street Fighter. Ken Hein Faut s'accrocher Ouais. Faut s'accrocher, José. Et arrêtez de mettre des vestons. Mais c'est ma marque de fabrique Oh, Canu On comprend pas un traître mot de ce que tu dis, Canu. Alors, ça va être quoi, notre petit prédit est... Elle est... Ai pas dit toi. Ah oui donc là il est content parce qu'il lui dit mais moi c'est Agnès qui me sé'use c'est Nathalie qui me sé'use ouais, et du coup tout, tout était bien qu'il finit bien parce que comme ça José va pouvoir continuer de forcer auprès d'Agnès malgré le fait qu'ils soient en couple avec Béné donc très rare scène de cette série où les filles quand elles sont entre elles parlent de garçons ça n'arrive jamais elles parlent toujours d'autres choses en général c'est euh, quoi cette te fixette te sur te la te sucette Aurel Un ouais. petit manque J'ai plus le temps de m'attacher. Non, sur la, la CU7. Moi, j'aime bien le dire euh, sucé en verlan, je trouve j'aime bien. C'est une addiction que j'ai. Oui, c'est tout. Il n'y a pas une Agnes. case José et Lucky Luc. Agnès, je sais que es une fille <laughs> Agnès, pas. Oui, c'est vrai que moi, ça me fait rire, Agnès. Pour, pour ceux qui arrivent, c'est des étudiants, tous. Nu, hein. Sauf Agnès. Agnès, c'est Linda, l'ex de Sébastien, qui, qui, qui leur a présenté. Elle est mannequin. Qui elle n'a rien à foutre avec eux. Général, à un moment donné, elle, elle, elle squattait la chambre, elle, elle squattait le lit de, de Johanna, alors que bon, elle est mannequin, donc ça n'avait aucun sens. Normalement, c'est pour les étudiants, la hein. précarité des étudiants, tout ouais, ça, ils ont besoin sais... de logement. Et mais, mais, depuis qu'elle n'est plus dans la chambre, parce que Johanna est revenue, qu'est-ce qu'elle fout avec eux n'ai plus envie d'être méchante avec les gens, je leur en veux. Donc pas. voilà, effectivement, les don... bon, je lance la dî Tu vas mettre quoi Tu vas mettre euh... écoute, Attends, On se fait engueuler parmi ce meuf. Tu sais. Euh, laprès ça va être quoi Du coup, tu bon, bah, sais... écoute, bah, on te laisse décider, au pire. Hein. Ouais, je rends compte, maintenant. On te laisse décider si tu veux. Euh, ça, Canu aussi d'ailleurs. Si tu veux que ce soit euh, Agnès reste dans la, Agnès part ou. Euh, une chose Nathalie. Vu la Ou euh, Canu et Nathalie ça euh, continue. Je crois que lui aussi il est vraiment amoureux de toi. Je crois ouais. que c'est les deux seuls trucs qu'ont qu été émis. Ça, Agnès tu sais. Mais et toi, qu'est-ce que tu vas faire va Attendre Tu sais. Euh, si Agnès part pas, faut voir un truc José Agnès pas. Béné pour la prédiction. En tout cas, je te souhaite vraiment tout le bonheur possible. Je te remercie. Et du coup, ça finissait comment Ouais, voilà, les, les femmes entre elles se, se disent, euh, bon, bah, soyons sympas. Après, elles se disent, venez, on s'assoit mal autour de la table. Pour faire un vœu, les filles. C'est la première fois que Nathalie nous a envie de voir un verre. Je sais, chez moi j'ai travaillé dans la restauration. Déplacer des tables comme ça sans demander au serveur, ou au moins sans dire après, on a bougé un peu des tables, c'est hyper énervant. Et pareil, vous asseyez pas si c'est pas débarrassé. C'est chiant de débarrasser une table quand il y a des gens déjà assis. Attendez deux secondes, on débarrasse et après vous vous asseyez. Voilà. Tu peux mettre plus fort. Hein. Yes. Bon, là, c'est pas le vrai épisode et encore, mais yes. ce que je disais. Donc, là, sororité à fond entre les meufs. L'après-dit est faite. Vous avez quatre minutes pour voter. Agnès part, oui ou non Parce que Je vous rappelle que c'est pas gagné qu'elle parte, malgré le fait que ça n'ait aucun sens qu'elle soit dans cette putain de série. Et maintenant, je comprends vraiment mieux les filles. Je suis contente que ça t'arrive, tu vas voir, c'est génial. Je suis heureux de vous voir tous amoureux. Mais tu verras, ton tour arrivera. Mmh, tu vas voir. Tu te attends Plus il est beau mmh. Oui, bah, je peux vous dire que le mien, hein, il va être sacrément beau. Ça sent pas le départ quand même, hein, sans vouloir influencer vos votes. J'ai vu que ça finit sur elle qui dit, bon j'espère qu'un jour je vais trouver quelqu'un, parce que ça fait longtemps que j'attends. C'est une prédiction ou un souhait. Il nous dit c'est quoi quoi. Euh, ensemble, il se que t'en as un peu plus d'agnès, quoi. Ah, je crois qu'on a vu une illustration de l'épisode d'après. Voir c'était cet épisode-là Bon, on connaît, hein Hélène, blonde. Nico, blond. Christian, Big Flo. Johanna. Lali, Sébastien. Pourquoi ils s'aiment <laughs> Béné José, le garage, la chambre des filles. Où est-ce que va commencer ce nouvel épisode Moi, je veux un épisode qui commence le matin. J'en ai marre là des épisodes. On veut ça commence le matin, ça finit le soir. Dans quelle chambre on est Allez, dans une chambre. Ah, ah, voilà, ça c'est le matin. Comme nous. Debout les crabes la mer monte. Je connaissais pas cette expression. Eh bien, je viens de prendre ma douche et je suis en pleine forme. Allez levez-vous Bah, il dorment avec de la lumière, j'ai l'impression là. Gouttu, on reste encore une heure, s'il te plaît, va faire ton cirque ailleurs. Hein. Ça ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de profiter de la. Ah oui, il y a eu du splash aussi là. Et splash, vous... c'est quand quelqu'un se fait mouiller par quelqu'un. Putain, on a deux cases directes. Et vous pensez aussi qu'un jour j'aurai le droit de mettre dans le bingo, il euh, y a le poster de fromage au mur. Vous avez vu derrière, il y a tous les fromages là. Eh bien, je viens de prendre ma douche et je suis. C'est des fromages, on est d'accord. Hein. Pleine forme. Hein. Donc splash et dodo avec lumière. C'est incroyable ce début d'épisode. Moi, c'est pas assez fort pour moi par contre. Alors, splash... Ah merde, j'ai perdu le bingo moi. Bam. Alors, splash... Il faut que je mette des émojis en fait aussi. Il faut que je mette des émojis en fait. Mais bientôt, le, le nouveau bingo arrive. Là, je... Le développeur, regarde, dont je vous parlais, regarde le live, parce qu'il m'a envoyé un message qui dit, la nouvelle version du bingo arrive. T'es un lurker, quoi. Tu envoies un texto, tu pourrais dire ça dans le chat. Enfin, c'est pas une. Euh, tu peux tout à fait l'orquer et puis garder ta confidentialité. Euh, 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 donc, splash et dodo lumière. Mais ouais, les emojis, ça aide vachement à trouver parce que là, par exemple, voilà, dodo avec light. Je mettrais un emoji en poule, je l'aurais trouvé comme ça en une seconde. Et on aurait fini ce live à l'heure. écoute il nous reste encore une heure, s'il te plaît, va faire ton cirque ailleurs. Ça, hein. ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de profiter de la vie à pleines dents. Je ne vais pas rester dans ma quête comme vous. T'as as raison. Plus fort le son ou pas Et Où tu vas comme ça à la salle de sport, mon petit gars. Eh, à la quoi T'es tombé sur la tête cette nuit ou quoi Non, mais je vous ai regardé et j'ai pas envie de finir comme vous, voilà. Oh le bâtard. Mmh. Putain, il est de bonne humeur, hein, Christian Regardez-moi ça, ça a 20 ans et c'est mou, c'est tout. Non oh on vrai, on des petits vieillards. Elle est culte, cette chemise ah, de Christian. Vous, les salez, vous commencez à avoir oh. du ventre et tout, des petits vieillards. De jeunes vieillards, mais des vieillards quand même. Mmh. C'est sympa, de bon matin. T'as met de bonne humeur, une description pareille. C'est bien, parce que là, j'ai monté le mais son. T'inquiète pas, c'est la qui fait parler. Ah lui aussi aurait aimé être grand et fort. Pas du tout. Ce n'est pas quelques centimètres qui vont changer quoi que ce soit. Non moi je prends soin de mon corps c'est tout hein. Ah 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 ça y est ah, j'ai compris ça y est il y a du Johanna là dessous. Il a fait une pause avant sa phrase. c'est vrai j'ai envie d'offrir à la femme que j'aime un cri cri d'amour sain de. Corps. Il y a du Chantal là dessous. <laughs> Ah, rigolez, <laughs> tu as du mal à voir les deux, mon vieux. Ça t'a oh. plu de lui avant. <laughs> il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah, il y a du body shaming là. Ils se moquent de moi, ils sont gentils. Mais vous verrez. Le il a fait une pause dans le rire. Ouais, mais j'adore Sébastien, il me régale. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, mon cri cri. Allez, on va faire le beau dans ta salle de sport et puis. Il a fait une. Là, y a une pause au milieu de sa phrase, mais il y avait une respiration. Et puis c'est trop tôt la première case, ça, ça se mérite. Mais ça donne envie quand même. Hein. Mais cette pose était pas mal, mais il y avait une petite respiration, donc elle était moins absurde que d'habitude. Il y en avait une, mais non, je le valide pas. Mais il y a eu du body shaming avant. On va se cacher, on va se la case body shaming. Mais la pose dans la phase de Sébastien, elle se mérite un peu plus que ça. Je la remets quand même pour le plaisir. Ça, mon cri-cri. allez, on va faire le beau bon dans ta salle de sport et puis. Ça pourrait passer. Laisse-nous dormir. Elle est pas assez absurde. Ah, au fait, fais pas trop de gonflettes. Après, auras trop de mal à rentrer dans tes t-shirts. Okay, ouais. Body shaming, c'est fait. Pour moi, tout va bien. Bon, puisque tu vas bien, qu'est-ce que tu fais encore à traîner ici Non, je le sabote pas. Il a respiré au milieu de sa phrase. On a le droit de respirer au milieu d'une phrase. Oui, 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 oui. Il y a une autre pause là quand t'as mis pause. Oh, là, Il y a eu raison, hein Attendez, oh. attendez, 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 parce que là, attendez, 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 attendez. Il a refait une pause juste après. Putain, déjà Mais ouais. c'est trop tôt, moi. Je eh, au fait, c'est pas trop. De... Eh, laisse nous dormir. <laughs> mmh. eh, au fait, c'est pas trop de bon Après, après tu auras trop de mal à rentrer par de mettre 20 fois la scène. Ok, Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Bon, puisque tu vas bien, qu'est-ce que tu fais encore à traîner ici hein Si, c'était avant. Oh, on va pas se mettre 20 fois la scène, les frères. Cri -cri, allez, allez euh, dernière fois. Nous vous pour aller voir ailleurs. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, mon cri. -cri. Allez, on va faire le beau bon dans ta salle de sport et puis... Laisse-nous dormir. <laughs> ok, 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 ok. C'est pas trop de bon fêtes. Ok. On trop de mal à rentrer dans tes t-shirts. <laughs> okay, ouais. ok. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Ok, je l'ai coché. Vous êtes content Deux pauses dans la même phrase, ouais, c'est balèze. Je l'adore. On verra qui a eu raison, hein Oh, mais fuck le terre. Bon, ben moi je vous laisse. Alors moi j'étais à la salle une ou deux fois par semaine depuis, de, de, entre mars et ma fracture. Allez. Ça s'est pas vu sur mon corps, hein À plus tard, les limaces. Donc Christian, tu t'en vas un peu là. Euh, je sais pas ce qu'il a valu lui ce matin, mais c'est l'effet de l'effet, hein. Qu'est-ce que tu veux C'est l'amour. Nico, il a crié là il me fait douter ce crétin. C'est vrai qu'on a du vent Ah ouais, il a fait un cri aigu, putain. Mais attendez, c'est quoi cette scène Il y a tout là Pardon, les amis, hein, je suis obligé de remettre du coup. Et... Je vais profiter de la vie. Ça me fait chier comme vous. Euh... C'est quand C'est avant Ils n'entendent pas crier Bon, puisque tu vas bien, qu'est-ce que tu fais encore à traîner ici Tes muscles attendent Ils n'entendent pas crier Tout va bien. C'est quand, putain 14 fois qu'on se met la scène, les frères. Bon, puisque tu vas bien, qu'est-ce que tu fais encore en train ici hein Tes muscles attendent Ils les pas crier Cri, 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 cri Ouais, ok, ok, ok. Nico crie aigu. C'est Nico, hein, ce qu'il a fait. Oh, mais faites le taire C'est fou, quoi Ben, moi, je vous laisse. Je vais profiter de la vie. Attendez, les gars, on a coché 5 cases C'est quoi allez. cette blague Donc, pour rappel, pour les gens qui débarquent, <laughs> si on fait une ligne, on met un deuxième épisode. C'est jamais arrivé. Je sais pas ce qu'il avait allé lui ce matin, mais c'est lui fait de l'effet, hein. Ouais, ouais. quest ce que tu veux. C'est l'amour, en plus il me fait douter ce crétin. C'est vrai qu'on a du vent <laughs> Pourquoi ça applaudit carrément Il a mis sa veste sur l'épaule. Bon ça c'est plus facile à vérifier. Ah oui, c'est fou. Allez. Ah non non non, il l'a sur Ah oui non, il l'a mis à moitié quoi. Non non, ça compte pas ça. Non non, ça compte pas. Non non, ça compte pas. qu'elles sont Chut, Tu vas réveiller Johanna. Qui dort avec la lumière mais on a déjà couché la case. Une paire de chaussures, non je veux pas y aller pieds nus. Regardez sous ton lit. Ah, bah oui. J'ai commencé par là. Bon bah, <laughs> je sais pas, moi t'as qu'à en mettre d'autres. Ça pourrait être une case aussi ça. ça. cherche quelque chose sous voilà, les lits. Là, là, les filles. Oh, tu peux parler hein. T'es pire que moi. Ah ah Quelle heure il est Non mais ça va pas Johanna qu'est-ce qu'il prend un truc comme ça À oh, mourir pref. Ah. Tu es en retard. Non mais les gars attendez ça va trop vite là. Ecoutez mourir pref. Incroyable. Je suis en retard Je me fais entourer, pas Christian Ah oui, 7h bah, du matin, c'est une excellente idée, ça va. Incroyable ce bingo Moi, ton profil, vous aurez pu me réveiller, quand même Bah dis donc, tu nous as rien demandé Vous aurez pu le deviner Non, Big Flo, c'est pas comme ça ta casquette. Eh, hey, Johanna, t'es en pyjama. Eh, <laughs> <laughs> hey, mais au fait où tu vas comme ça Bah, salle de sport, j'ai un rendez-vous avec Cricri. À -cri. ah, cette heure-ci elle devient des meilleures déjà. Oui. Eh, Dis-moi, euh, Johanna, tu n'aurais pas vu mes chaussures noires Non. Non, mais attends, tu vas pas faire du sport avec ton cri cri d'amour à 7 heures du matin Bah oui. Comprenez. On l'a dit qu'on s'aimait tellement qu'un lit vivre jusqu'à 100 ans. Bah, je vois pas le rapport. Oui. Pour ça, il faut une hygiène de vie impeccable. <laughs> une hygiène de vie, ouais. T'as raison. Il y a que vous deux pour trouver ce genre d'idée. Faire du sport, ouais. Il y a que eux. Oh putain, il y a presque des choux sur le lit là ça compte ou pas Il y a des choses sur le lit, là, regardez, Hélène. Ça compte ou pas Parce que c'est le côté de la pompe, il y a pas la semelle. Attends. Euh, ouais, non, je, je c'est pas validé. Te signale que as mon pantalon. Non, ils nous font des bons plans pour bien qu'on voit. Ok, on d'accord, je suis content. Je suis content quand on est d'accord. Non, c'est quoi, quoi Tout le monde est, est d'accord avec le fait à que non. À et, Et c'est bien parce que ça montre un peu que vous n'êtes pas là juste pour qu'on fasse une ligne, vous êtes aussi objectif. Au à part c'est quoi quoi ah, C'est pas grave, vous ne pas ça aujourd'hui, hein oh. euh. Tiens. ce que tu cherches, Mais Mes sûr. Elle a fait une pause à la Seb. Mes sûrs. Ah bah si, tu sais avec toi on peut s'attendre à tout. Je suis pas froide, ça point, quand même. Non mais attends Johanna, tu veux sortir dans la rue comme ça Non pour rien. Avec une veste visionnaire Bah je suis Big Flo, ah, je te rappelle Tes chaussures, je sais planquer en haut de l'armoire, je vais te faire un petite farce Tout le monde fait des pauses à la Seb ou quoi long, un jour Je vais la prendre, je vais la scotcher au mur En haut de l'armoire. C'est bizarre comme farce quand même de planquer les pompes de quelqu'un. Je la connais celle de gauche. Ah, elle joue dans les dans le miel et les abeilles. Bonjour. Salut. Salut, je suis Christian. Je suis Michael Jordan. Les femmes, vous faites, vous faites tout le temps bien ça, j'ai remarqué. Fait le matin. Ouais, c'est vrai. Vous faites Moi, tout le temps ça, vrai, vous venez voir les gars comme ça. Tout le temps. C'est vrai. On peut s'allonger à côté de vous euh, Ouais, si vous voulez. Si vous voulez. Oh là là. Mais Vous êtes encore plus mignon de près. Sacré hein les femmes, quand même. Ah, toujours pareil avec vous. Ça dépend quel effort. C'est ça, c'est la meuf du Mêlée des Abeilles, c'est un nom à droite. Les affichinados. Mmh. C'est à vous, ces beaux yeux-là Non, non, je les ai piqués à mon chien ce matin. <laughs> Qu'est-ce que vous êtes drôle. <laughs> ça, ça doit être dur. On peut toucher. Ouais, allez-y. <laughs> oh là là ça Vous m'énervez à chaque fois que vous faites ça, les femmes. <laughs> des vraies plaques de chocolat ça donne envie de croquer dedans. <laughs> Croque <laughs> Je n'ai pas. Que vous n'avez pas peur de faire une crise de froid euh, C'est parce que tu crois. Je sais, mon Chris ma faute. Je suis en retard. Regarde, j'ai mis mon pull à l'envers, la sais preuve. <laughs> je ne savais pas que la mode était revenue au style euh, épouvantail. Les grandes brinques, ça se croit tout permis. Bon, regarde, bref. Bon, allez, allez, les volailles, hein, en piquant ailleurs. Hein Salut, Tuklakos34. J'étais tranquillement installé. En Bienvenue. Mes Regarde, oh, Hélène et les garçons. Quelqu'un va faire la commande chat. Je c'est là. Pour que tu saches ce que c'est. Si tu connais pas. Mmh, c'est un délice. tu fait un bingo. Et ce soir, aujourd'hui, on a énormément de cases mmh. de cocher. Bonjour. Mmh. Merci, 18. On commence par le vélo. Elle a une scène très réaliste. C'était du Raymond Depardon. C'est un documentaire dans une salle de sport. Où les femmes. Elle est trop grande pour lui, c'est évident. Putain, mon rire pref, il est trois fois déjà. Oui, c'est vrai, je suis trop grand. Mais vous, vous êtes trop moche. <laughs> Ça mange un petit déj. C'est délicieux. Ça me rappelle le Texas. Ah oui. Mmh. C'est pas la première fois qu'on les voit manger. Texas. Je comprends pourquoi t'es es Tu sais pas ce qui vendent, bon, Christian. Tu c'est sais pas de mmh. Comme ça, tu es sain de, de, de corps et d'esprit. Ah oui, bah oui. Je crois que je vais commencer par l'esprit. C'est vrai qu'on est au corps, ça va. Ah il y a eu un pardon express oui, il y a eu un pardon express à la salle de sport, on est d'accord Je vais pas remettre. Hein. On est d'accord Ok, j'ai l'impression qu'on est d'accord. Quelqu'un dit oui et c'est bon. Allez, go. Pardon express. Putain, c'est fou. hein. T'as un succès fou. C'est vrai qu'il était en train de dire croquer dans mon dans mes tablettes de chocolat quand même. Hein. Il, était, il craquait ah, tu sais, un peu Sophie, là. Je n'en rien à faire, vraiment. Mm -hmm. Mm -hmm. Empêche que, si je n'étais pas arrivée... Empêche que, elle serait en train de croquer... Petite de chocolat. Mais tu sais très bien qu'il n'y a que toi qui as le droit de croquer. Créchotte. Alors, venez vite, parce que j'ai faim. C'est pas des, des craboas dans son petit bol, là, les céréales, les conglomérats de, de musli, De flocons d'avoine Désolée de vous déranger. Pourquoi elle a comme ça Ça va Est-ce que Canu peut s'asseoir que Nathalie soit seule debout À partir de trois personnes assises, Nathalie debout, on a une case à cocher. Non, non, non Putain, mais depuis qu'on a mis cette case, elle s'assoit tout le temps, Nathalie, c'est insupportable. Quel courage quand on est amoureuse, on est capable de faire n'importe quoi, même se lever à l'aube. Oh, je suis tellement fière que je regarde les deux. Mais pourquoi tu dis ça C'est vrai qu'ils savent pas s'asseoir à 4, là ça commence à. Ils sont toujours responsable. Oui, on peut cacher la case, ils savent pas s'asseoir à 4 ou alors ça commence à 5. Can ah, ça Canu. Ah, savent pas s'asseoir autour d'une table. Mais, Hélas, il y a la fac aussi. Ouais, j'ai envie de dire c'est 4 minimum quand même. Ah ouais, mais ils sont 4. Wow. C'est pas assez ridicule, 4 si Tiens, c'est quoi Ça passe presque. Mange-moi bon, je ça, j'en veux plus. En j'ai envie de dire 5 minimum. Hein. Si, ah ouais, non, vous êtes d'accord avec le fait qu'ils pas. Bon, allez, ok. Ça envie, De toute façon, aujourd'hui, c'est la. F... Ah bah non, regardez, ils sont plus que 3. Mon café, je file. Hein. Désolé. Personnage <laughs> Ah ouais. Ça, tu l'as dit, ouais. Il faut que j'y aille, aussi, je vais être en retard. I have to go, Canu. Je Ok, super, viens. Et regardez, il se lève et tout. Non, désolé, les frères. Ça Vous la option. méritez pas, cette case. Ça plus tard que il avait pas sa veste sur l'épaule en arrivant. Ah, ça, on va aller vérifier vite fait. Mais les amis... Ah, si Putain, <laughs> mais c'est fou, cet épisode. Voilà, celle-là, je la case. Mais ils savent pas s'asseoir. On, on mérite, faut il faut qu'il soit 5. Je suis désolé. C'est moi qui décide, ah, les gars. Je suis le grand Miam. Ça. Allez, barrez-vous. Alors veste épaule, c'est où okay, Veste épaule. Salut Christian. Donc là attendez, on fait un petit point quand même. Si quelqu'un parle en franc et si Johanna met sa casquette tel flow on a une putain de ligne. Mais on a beau avoir caché beaucoup de casse, sinon c'est pas c'est pas au même endroit. belle hein. collective, Nathalie se debout, Nathalie se le debout, ça n'arrivera plus jamais, j'ai l'impression ça y est. Quelqu'un fait sa valise, ombre de perche. Ah c'est pas si sacré José. Mais il est où José Sacré José, dès qu'il va être là, je vais la cocher. Putain, Christian, ça nous pend au nez. Pelle collective, Ah, c'est pas si facile. Hein. La ligne du milieu peut vite gagner. Ouais, 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 ouais mais c'est pas si gagné que ça. Hein. Il va manger des crabois. Et des Wittabix. Oh Thomas Fava Qu'est-ce qu'il vient foutre là Salut, Christian. Quelle surprise Bah non, il est à la cafette. Il est à trois ah, est endroits ça, potentiellement euh, dans sa vie. ici tous les matins. Ah, bah, ben, vous avez de la chance, monsieur Fava, je suis là. Tu peux m'asseoir Ouais, je parle. Ouais. Non, non, attends, 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 j'ai vraiment. Il faut que je te parle. Je crois qu'on s'est tout dit, non, la dernière fois. Non, Attends, question, euh, c'est sérieux. Ok, ouais, j'ai 5 minutes. Ça a du tu cher, ce petit déj qu'ils abandonnent sur la table Tiens, t'as faim Non, non, c'est <laughs> Non, il n'y a jamais eu de bingo, Augustin. Faut pas aller ailleurs, là, ailleurs, il y a un peu trop de monde. Nathalie debout, c'est quand elle est, elle est méchante. Mais c'est vrai, pas pas donc pas pas là, pas là, on est foutu, quoi. C'est vraiment important, quoi. J elle pas, est gentille en ce moment. Je parle n'importe qui. Ah, ouais à Nicolas ou Sébastien, c'est ça Non, écoute, si, si j'ai envie de te parler à toi, c'est que t'es le seul à pouvoir comprendre. T'es le seul à pas faire de pause au milieu de tes phrases ou à pas faire des bruits aigus tout le temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai, au fond, c'est moi le plus intelligent, alors. Alors, on va où bah, au garage. Au garage Bah, c'est soit le garage, soit la chambre, hein, je te rappelle. On n'a que trois endroits où on a le droit d'aller. Y a, y a pas Nicolas et Sébastien Non, t'inquiète pas. On a une petite demi-heure devant nous. Ils ne sont pas prêts de quitter leur couette ce matin. Ok. Genre, il a eu le temps de faire tout ça pendant qu'ils dorment N'importe quoi. Mais vous abandonnez quoi là Attendez, il a volé une pomme Mais quoi devant nous. Alors qu'il en a en plus des pommes là dans son truc Il abandonne tout son petit déj Et il, prend, il vole une pomme On a une casse ça, Christian vole une pomme sans raison Non, dommage. Qu'est-ce qu'il va branler avec Thomas Fava C'est bizarre, hein C'est ah, bizarre, hein. Ce n'était pas un piège Personne bah, ben entre, n'aie pas peur. Regarde. Donc, c'est un méchant producteur de musique, hein, Thomas Fava. Il n'est pas là pour s'en servir. Très drôle. Ah. Mais pourquoi il ne pas parler à la cafette Mais bon, je ne leur en veux pas, c'est de leur âge. Bah, disons qu'il n'aiment pas trop les, les ordures, tu vois. Ah, bien. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce que tu me veux, Thomas Tu veux pas t'asseoir Bah, je sais pas. Je veux le Céus. Ça va prendre des heures ce que tu as à me dire ça dépend de toi. Ok. Fais-lui une place, peut-être. Si tu veux pas t'asseoir et il s'assoit au milieu du canap', le gars. C'est à propos de cette chanson, celle que t'as écrite pour Johanna. Peut-être qu'en septembre oh, ben Je crois que j'ai été clair. A parlé, hein mais pas de ma faute, On a été très clair. Écoute, cette chanson, c'est pas possible. Cette chanson, c'est. Je sais, pas, je sais très bien qu'elle est à toi, cette chanson, mais. mais, 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 mais Elle est à toi, cette euh, chanson. T'es encore jeune, quoi, et dans la vie, faut savoir saisir sa chance. Ça l'a fait réfléchir cette phrase. Dire, Thomas. Écoute, Christian. Tu veux que je te raconte une histoire Ouais, si elle n'est pas trop longue, ouais, je veux bien. Non, non, j'irai vite. Avant de devenir producteur, je faisais des études de droit. Ah ouais mmh C'est bobo ti Bobo Tu m'as emmené dans une boîte de nuit. Et puis j'ai découvert un groupe génial. Un peu dans le style de ce que vous faites d'ailleurs. Attends, j'arrête. <laughs> tu peux reposer ta brosse à reluire, tu sais très bien qu'avec moi, ça ne marche non, pas. Ça. Je ne dis pas ça pour ça. Enfin, dès que j'ai vu le groupe, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose à faire. Et qu'est-ce que tu as fait bah, Je savais pas trop comment m'y prendre. Alors je me suis renseigné, j'ai tapé du fric à mes parents, et puis bah, finalement j'ai financé leur première maquette en studio. C'est devenu les Beatles. On a vendu... <rire> <rire> je ne sais pas si je vais croire à ton histoire Thomas. Oh, fort. Ah, génial. Bah, comme ça, t'as pu rembourser tes parents en fait. <laughs> tu parles <laughs> au centuple. Et puis, bah, grâce à ça, euh, je suis devenu le producteur number one en France. Hein, pendant que tous mes petits copains terminaient leurs études d'avocat, et en ce moment, ils crèvent de faim, eux. Ouais, je vois. t'es un bon gars, en fait, hein. Mais mmh. ça me dit toujours pas ce que, ce que tu viens faire là. Mmh. Bah, je compte rester number one, grâce à ta chanson que je veux te voler. Voilà, moi, je pense que toi, Nicolas, et. C'est vu, c'est un vrai batteur. Hein. Bien sûr. C'est un peu comme une nouvelle chance qui se représente. Hein Vous pouvez pas passer à côté d'un tube comme ça. Thomas, on en a déjà parlé. C'est d'ailleurs pour ça que t as pris un coup de batte de baseball sur la tête. <laughs> C'est ça qui t'a fait perdre la mémoire d'ailleurs. <laughs> <laughs> Regarde des gens qui galèrent autour de toi. Des gens qui n'ont pas de boulot, qui ont du mal à terminer leur fin de mois. Mais j'en vois jamais. Euh, bon, <laughs> tu as un petit diplôme de, de je ne sais pas quoi, que tu vas réussir dans la vie hein Tu sais combien il y a 10 diplômes C'est qu'on ne sait même pas, je pas je... ce qu'il fait attends, comme euh, taf. J'ai pas que les diplômes moi dans ma vie. J'ai mes chemises, physique. mes chemises bariolées. Je suis contente de l'entendre dire. Bon, finissons-en où tu vas en dire. Bah, moi je veux que tu que me vendes ta putain de, de temps chanson. Hein Et Hélène surtout. Elle a tout pour réussir, cette fille. Ouais, peut-être. Mais moi, je sais pas si elle veut devenir chanteuse. Hein elle est faite pour ça. Tu connais une fille qui a pas envie de réussir, toi Hein Bon, viens voir. Ah, il lui fait une vraie place là. Avec cette chanson, vous faites du gâchis. Non, c'est avec euh, ce qu'il a laissé sur la table qui fait du gâchis. Bah, je suis encore là pour vous le répéter. Je suis sincère la question, hein. je te promets. Je suis sincère. Ouais, ouais d'accord. Dès que t'auras changé de coupe de cheveux, je t'écouterai. Mais là, j'ai du mal à te regarder dans les essayer, yeux, quoi. C'est ridicule ta coupe. En groupe, on est six. Vous êtes six quoi, six quoi, Nicolas, Sébastien, José et puis Hélène. Non, il y a Johanna aussi. Et Johanna Bah non. Pour elle, que j'ai écrit cette chanson, d'accord et si Hélène et Nicolas l'ont enregistré c'est pour Johanna, c'est tout. Enfin, je pense que Johanna est suffisamment intelligente. Elle sera certainement ravie d'apprendre que c'est grâce à elle. Oui, c'est possible. Il a vraiment aucun argument oh, quoi, okay. à part de dire soit intelligent. Je vais réfléchir. Soyez intelligent. Il y a des gens qui sont dans la précarité. Bah, on les voit pas dans la série, hein. Réfléchis bien alors. Hein. Réfléchis aussi sur la vie. Hein il y a des gens qui rament autour de toi. Ouais, okay. Mais il y en a pas qui rament. Il y a zéro précarité. Salut, Christian. Vous noterez que la prédit du jour c'est Agnès part et que Agnès elle est pas là. Hein. Mais elle est pas partie, mais elle est pas là. Ah réfléchis bien, regarde autour de toi la, la misère, Christian. Il n'y en a pas, ça y est, c'est vite réfléchi. Hein. Il va avoir un flashback un flashback de toute la précarité qu'il a vue dans sa vie. Écoutez, les copains, il y a de la précarité. Ah. T'es là, toi euh, Oui, oui, je réfléchissais. Ah. A la, à la précarité. Si on me dérange, on peut repartir ah. Non, non, c'est bon, on peut rester. Ah. T'avais besoin de réécouter ta chanson, c'est ça Ouais, je pensais. Tu pensais ah. Est-ce que vous avez vu de la précarité ah. sur le chemin ah. en venant Qui ce qui pensait oui. Ah, ça, Johanna, chérie. C'est ah. fou ce qu'il est romantique, ah. maintenant. <laughs> Et tu pensais à quoi À nous préparer à la suite Ouais, c'est ça, ouais. Bon allez, on répète Bah ouais, dès que Canu arrive. hein. Oh, il devrait pas tarder, Canu. oui ah, mais n'oubliez pas qu'en ce moment, Canu vit une grande histoire d'amour et que ces choses-là, ça épuise. Oh ah ouais, il a mimé la baisse, carrément. Mauvaise langue. Oh, voilà. Salut tout le monde. Je vous... Canu, assieds-toi. Canu, assieds-toi. Canu, assieds-toi. Allô. Allô. Bah, Nathalie, tu devais pas être en cours, toi Moi, si, mais une fois arrivé devant la fac, j'ai changé d'avis. Eh, hey, il cache mal un secret, par contre, là. Euh... Bon, je trouverai bien quelqu'un pour me passer. Christian, les amis. Je crois que Christian cache mal un secret. Il dit, oh non, 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 je ne faisais rien. Alors qu'il était en train de penser à la précarité. Parce que Thomas l'a éveillé sur les, les, les problèmes du monde. Donc, euh, donc, on va cocher la case. On est d'accord, hein, on va cocher la case. Ce ah, il y est plus cette case. Ah si, secret mal caché. Yeah, yeah, yeah. Il yeah, n'y yeah. a plus que Canu s'assoit et c'est réglé. Copié. Hein mmh. <laughs> Bon. Et comme ce doit être bon! Tu peux m'embrasser, Nathalie, tu sais, parce que je suis en manque d'affection et en plus, Benet me fait la tête alors. Non, c'est pas ça, sacré José. c'est fini tout ça. Je suis prise maintenant. D'accord, même. Euh... Je suis plus la peste de la série maintenant. Je suis pas la seule à être debout. Ni la seule assise. <laughs> Promis, on n'y touchera pas. Il Faudrait que vous puissiez. Bon oh. bah je vais vous laisser maintenant. À plus tard. Bon. Non attends, assieds-toi, Canu, assieds-toi. Attends, 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 attends. Hein Putain. Ouais, tu sais qu'avant c'était la peste de la série C'est Pas vrai. On nous l'a complètement changé. Non. Je vais dire un truc, c'est pas plus mal. Oh, ok. Homme de perche. On nous l'a complètement. Homme de ouais. perche ou pas derrière eux assis là C'est pas non. vrai. On nous l'a complètement. Non c'est juste bug de. Je vais dire un truc, c'est pas plus mal. Oh, ok. Toujours l'amour. Ouais, c'est ça. Bon, l'amour, on répète un peu. Qu'est-ce que t'es aujourd'hui Toi, tu dis pas grand-chose. Bah, on sait pas pourquoi, mais je vous raconte pas ce qui vient de m'arriver avec, euh, avec Thomas Fava. On sait pas trop. Okay. Okay, c'est juste pour qu'on ait une, une case à cocher, quoi. Deux, tiens, tiens, début d'un morceau ou quoi 3, Ah, Canu, il est fort en hein, bango, n'empêche. Oh ah, putain, on va avoir une double case à cocher, les frères. On a eu le début d'un morceau. Et là, ça sent la fin d'un morceau. Tac et tac. Magnifique. Par contre, on arrive bientôt à la fin. Il n'est pas encore trop facile ce bingo, quoi. Faut encore le simplifier, quoi. C'est fou. Hein. Canu est parti. Bah oui, il est... Pourquoi il n'y a pas Canu <laughs> Nous, je l'ai prédit, c'était Agnès, c'est parti. Pas Canu. Canu, entre le milieu du morceau, il a eu la chiasse, quoi. Même sous ta chemise voit tes muscles ah j'ai pas la tête à ça aujourd'hui ta tête à quoi à la précarité José ah attendez sacré José ouais, à moi. je la remets regardez c'est ça qu'on aime ça qu'on aime ai pas la tête à ça aujourd'hui ta tête à quoi à claque pas mal Alors, arrête, José pas mal je pense c'est tout ouais à moi j'espère <laughs> Vous avez bien répété Très bien répété, ça a ah oh. Et euh, bah, Canu, il est pas là Non, Canu, il a été chercher Nathalie. Au milieu d'un morceau. Pas... Roulez-vous des pelles, là Non, absolument pas. T'es sûr Ah, mais si, à chaque instant, chaque minute. Roulez-vous des putains de pelles. Et toi, t'es toujours sur ton nuage Ah non, j'ai atterri sur une charmante planète avec plein de jolies filles. Et toi en premier Ah, bah quand même. Ça va, je remonte au top. Je vois que t'es en pleine forme. Bah, disons que j'ai de l'inspiration quand je te vois. Ouais. Bah voilà. Et puis qu'Agnès est partie voir ses parents. Ah, mais ah. Pardon, mais la formulation Agnès est partie a été dit, quoi. Okay. Voir ses parents, certes, mais on peut tricher un peu sur la prédit. Ah, mais comme il y a des points de chaîne en jeu, c est, c est, ça va être litigieux si on triche euh, sur la. Enfin, ça ne nous arrange pas, c'est pas comme une liste de bingo, quoi. Et est un petit... Mais bon, elle est quand même partie, elle n'est pas partie de la série, mais... Euh... Non, en vrai, la question Agnès-Par, c'est Agnès-Par de la série, quoi. C'est pas Agnès-Par chez ses parents, quoi. L'homme est un roseau pensant, et Christian est un petit roseau hyper pensant. Oh, là, là, là. Arrêtez. Dites. Vous avez jamais.. Elle est partie, c'est objectif. Alors attendez, parce que déjà, il y, y a une pause au milieu de la phrase de Sébastien, quand même, que je vais me remettre, parce que c'est ma passion, même si euh, ce n'est pas la plus longue qu'il ait faite. C'est complètement roue libre. Mais euh, on va quand même réécouter la phrase parce que le fait que quelqu'un formule Agnès est partie, ça donne quand même envie de. Mais bon, il y a 80% des gens qui vont péter un câble. quoi, dans... <laughs> non, mais qu que tu vois On l'a raté, c'est avant. Parti, vous... Disons ah, oui. que j'ai de l'inspiration quand je te vois. Ouais. Surtout depuis qu'Agnès est parti. Vous... Si on arrête l'épisode là. <laughs> Agnès est partie, les frères. Regardez, j'avance, la phrase est finie. Hein. <laughs> C'est ce qu'elle a dit. Hein. qu'est-ce que tu vois hein Il te l'a dit Il pense. <laughs> Allez, ça fait une pause. L'homme est un roseau pensant. Et Christian est un petit roseau hyper pensant. <laughs> Arrêtez Non, ça va. Elle était placée au bon endroit, sa pause. C'était pas une pause si absurde. Vous avez jamais pensé à tout ce qui se passe dans le monde Ah, c'est vrai, quoi. Les guerres. La famine. Mmh. Les assassinats. Mmh. Les chefs d'État qui n'en ont rien à faire de tout ce qui se passe dans leur pays, alors ça, non. Hein. Non, mais. Le discours de, Tom, de Thomas Fava a marché, alors qu'il lui a rien dit de tout ça, et qu'il lui disait surtout en gros, mets-toi à l'abri, parce qu'il y a de la précarité, les gens ils galèrent, ils ont pas de taf, et lui il nous parle des chefs d'État. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y a eu nombre de perches au secou a... dans le monde. dites, vous avez jamais pensé à tout ce qui se passe dans le monde Ouais, y a la... regardez au-dessus là, à gauche, il y a la perche qui le suit. Vous avez jamais pensé à tout ce qui se passe dans le monde Les assassinats ah, c'est vrai quoi, les guerres Bon, nous, on est là et pendant ce temps, dans le monde, il y a des enfants. C'est horrible. Ils n'ont rien à faire de tout ce qui se passe dans leur pays, alors ça, non. Homme hein. de perche. Il y a des gens qui ne savent pas où dormir hein, sur la Terre. Alors, oh putain. Il des gens qui n'ont rien à manger. Le chômage. Voilà, hein ouais, le chômage, c'est juste ça, ça qui t'a dit Thomas Fabin. Hein. Euh, Christian, tu veux faire de la politique Non, mais il euh, faut qu'on vende la chanson. À cause des assassinats. Bah oui, c'est beau, c'est intéressant. C'est même intelligent qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse là dans le garage Il y a plein de gens qui ont pas un franc. Non. Allez Christian, dis-nous ça Il faut savoir une chose, c'est qu'on est tous dans le même bateau, on est dans le même bateau que tous ces gens qui galèrent. Hein. Oui, d'accord. Bah non, vous, vous galérez pas du tout, les gars. Oui, alors Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Christian J'en sais rien, moi Qu'on gagne ouais, plus, plus de francs. Non, oh, mais tu vois, nous, on est des petits jeunes et on a beau ramer, on n'a aucun pouvoir de décision. Ouais, mais ça viendra, la France de demain, c'est nous Ah ouais, ouais. La France de demain Oh, elle est belle, la France de demain La France de demain vous vous rendez compte Nous, on a, on a nos études, on va avoir des super diplômes, tout doré autour. Hein Et après Bah, après, nous nous débrouiller pour trouver un job. Pour essayer d'être heureux. Et surtout pour arrêter d'être pessimiste. Ouais, bien sûr. Et si tu le trouves pas, ton job, qu'est-ce que tu vas faire, Nicolas Eh bien, il y a le RMI. Bon, je prends la télé, ils embauchent en ce moment. C'est méta. Alors on va devenir des rockstars. Le RMI, les gars. Ah. C'est bien ça, tu vois les choses en rond. Non mais il a raison, c'est en essayant de concrétiser ses rêves qu'on arrive à faire quelque chose. Ouais, Par exemple, vendre la chanson à Thomas Favre. Ils passer sa chance qu'on peut devenir une star. Tu es déjà mon rockstar dans mon créature. mon de ça l'essentiel. J'en ai à ma batterie. Elle va me va soulager. Allez, pelle collective. La vie <laughs> reprend son cours en <laughs> Ah mais c'est fini là. Allez les frères, c'est fini. Putain, c'est fou, on y a cru là. Dommage qu'on n'avait pas une case RMI quoi. Salut, je fais des... On, on coche 50 cases dans la première scène et après on arrête. <laughs> Trop marrant. Eh ouais les gars, splash, splash splash, splash Cri aigu. Vite, vite, il faut que je mette mon pull à l'envers pour aller faire du sport avec cri cri J'ai mis tes chaussures en haut du meuble. Salut les meufs, on se comporte vraiment toutes, toujours comme ça nous les meufs. Salut c'est Big Flow mais j'ai mis la veste visionnaire mais pas la casquette aujourd'hui. Plus jamais je resterai debout toute seule, vous m'entendez Plus jamais Oui, mais bah on a compris, bah moi je me lève en attendant. Attends, Christian, il faut que je te parle des assassinats, des, des présidents qui s'en foutent. Non, non, ça c'est juste moi qui l'ai inventé. Salut Nathalie, je peux te pécho, ça n'a aucun sens. Et nous on s'embrasse Bah ouais, parce qu'on adore. Bah nous aussi, ouais. <laughs> Sacré José, laisse-moi tranquille, Johanna, faut que je pense aux assassinats. Et ouais, et ouais, ouais, ouais. Putain Va bon, encore falloir le simplifier ce bingo. Hein. Un jour, un jour, on aura une ligne, je vous jure. La blague quand j'étais petit sur mon prénom, c'était RMI Théo RMI. Bah oui, normal. Normal. Donc le RMI, c'est le, le RSA, les gens. Je voulais tellement deux épisodes aujourd'hui. Bah ouais, mais ça se mérite. Ça se mérite, mon petit pote. Et là, on mérite pas. On mérite pas. Mais presque. Hein. On, a, on a rarement été aussi près que ça. Mais j'ai l'impression que je dis ça tous les jours en ce moment-là. Tin, 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 Bon, bah, les amis, on va se faire les petites... Tain, il est. je finis plus tard. Hein. Il est 11h25. On va se faire les quatre petites courses de circuit Yoshi pour finir. Alors, pour ceux qui, sa... pour ceux qui savent pas... Ah oh, oui Augustin. Merci Augustin pour ton prime. Euh... On se finit cette petite matinale tous les matins avec quatre courses de Mario Kart en ligne. Donc si vous avez Mario Kart en ligne, si vous avez le Online, si vous avez une Switch, si vous avez Mario Kart, si vous avez une manette, ou même pas, si vous avez une manette, vous pouvez jouer sans manette. Vous pouvez venir nous rejoindre. Il va y avoir un code qu'on va vous donner tout de suite. Et euh, le concept du tournoi, c'est que vous choisissez les courses que vous voulez pour les trois premières, et que pour la dernière course, on fait Circuit Yoshi. Donc repérez bien la course avant, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, car il faudra être prêt à ne pas se gourer. Pour choisir la bonne course, pour finir. Tin 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 tin. Alors. Tint ah oui pardon. Et sur la dit euh... Euh... Non mais ça se fait pas. Ça se fait pas. En fait il y a des points de. Je sais pas. Il y a des points de jeu. Il y a des points de chaîne en cours. Mais est, En même temps elle n'est pas partie définitivement. En même temps elle est partie chez ses parents donc je pense malheureusement. Enfin, malheureusement, je pense que nous devons annuler. Je pense que nous devons annuler cette prédile, les loulous. Car il faut que personne se sente lésé. Mais c'était drôle quand même, cette phrase. Mais j'avoue, j'avais envie de tricher et de dire Ah bah, elle est partie, mais non. Mais non, elle n'est pas partie. Ah putain, Zirel, il est là, t'as raté quand j'ai remis Houdini, Zirel. On s'est régalé, hein. Quand t'es pas là, on se met Houdini tout le temps. C'est un bonheur. C'est toi, hein, qui pétait un câble. Comme un rustre. Les points sont rendus. Donc voilà, nous avons ce fameux code. Où je ne sais jamais si c'est un 0 ou un O. Merci beaucoup, i18, de l'avoir mis dans le chat. Donc voilà, avec ce petit code, vous pouvez nous rejoindre pour les 4 courses de fin de live. Donc on aura pas Sid, malheureusement, qui est au ski, ce petit bâtard. On va attendre un petit peu. C'est pour toi, Zirel. C'est bon, vous nous avez rejoint Houdini. C'est toi qui m'as donné envie. J'ai vu. En fait, quand je vois ton blaze maintenant, Zirel, ça me donne envie de, de mettre Houdini, quoi. C'est Houdini la chanson. Attendez, il y a eu un jeu de mots cool sur Houdini tout à l'heure, d'ailleurs. Et je l'ai raté. Ah, bah c'est bon, on est pas mal déjà là. On est neuf. Un. Un. I-18, je crois bien que c'est plein là. De quoi La, la, la game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah non. Je vais dans la tête depuis deux semaines maintenant. Bah c'est gratos frère C'est gratuit la musique dans la tête, sois heureux. Ah oui, il y a I-18 qui arrive. J'ai eu un... Bon on va pouvoir lancer, hein. on est à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais oui, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un jeu de mots sur Houdini. Je l'ai pas lu à haute voix, désolé, mais j'ai eu le temps de voir qu'il était bien. Et après, j'ai oublié de le lire. On est bon, on lance Est-ce que euh, Zirel, tu veux qu'on fasse le Mario Kart sur euh, Houdini ou pas Houdini. Bon, la prédiction, ça va être sur Aurel. Putain, mais il faut que je me concentre plus là, parce que la semaine dernière, c'était une cata. Hein. Celui, où, celui où je disais que j'étais Boudini dans mon pantalon. Voilà, c'est exactement ça. Zirel dit non. Ok. Euh, donc laprès midi ça va être Aurel gagne ou pas, hein, je pense tout simplement. Je vous rappelle pour les gens que la semaine dernière, j'ai galéré de ouf. Mais la semaine d'avant, j'ai gagné les trois tournois. Du mardi, du mercredi et du jeudi. Si ça peut... Et là, je vais me concentrer. Ça suffit quoi. Juste après... Ce moment préféré de la chanson, je lance. Ta -da, ta -da. Ta -da. Ah, vous avez pas le son Si. Ah putain, sur ma scène jeu vidéo, vous avez pas la musique Putain. On est en... vous étiez sur la VOD directement quoi. <laughs> Moi j'ai <'essaie> ça à regarder. <laughs> Zirel qui dit si si on aggrave le son. Ouais sur ma se... sur ma scène jeu vidéo, sur ma scène jeu vidéo j'ai pas la musique. Putain c'est drôle. En même temps c'est dans le lore de Aurel, il y a forcément ça à un moment donné quoi. C'est drôle. Si... Sinon je l'aurais pas eu je l'aurais pas eu parce que pour les gens qui savent pas il hein, y a toujours un moment donné du live où je mets pas la bonne scène. Mais le mieux c'est sur les jeux vidéo quoi. Je joue 4 minutes à un truc. J'ai fait une course de circuit Yoshi entière sans que vous la voyiez la semaine dernière, c'était magique. C'était magique. Ah, attendez, je vais me remettre au bon endroit. Donc pour les gens hein, qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, Circuit Yoshi c'est tout en haut, avant-dernier, première course. Bonne course à tous. La est lancé ou pas tintin, tintin, tintin. Aurel gagne le tournoi, il vous reste 3 minutes pour voter. Non mais ça va pas. Euh, merci aux frérots qu'on choisit Circu Yoshi. La semaine dernière, il y a une, une fois où on a fait Circu Yoshi en permanence. On a fait 4, c'est ça, hein il y a un tournoi la semaine dernière, on a fait 4 Circu Yoshi. Et malgré ça, j'ai pas gagné quoi, putain. Parce qu'au-delà du fait que c'est mon endroit préféré sur Terre, car cet endroit existe, sachez-le, c'est vers Sochaux. Euh... <laughs> euh... Et, bah, et bah voilà, c'est pas juste j'aime cet endroit, c'est aussi je l'appréhende plutôt pas mal. Yes! J'ai eu très peur pour Londres. C'est après Dijon, oui, pardon. Salut, une patate molle. Bah ouais, elles sont, mat ces matinales sont trop matinales pour moi. Bah attends, il est 11h30. T'exagères. Mais oui, je ne l'ai pas commencé à 11h30, ouais. Bonne course à tous. N'hésitez pas à sub si vous voulez que je chante votre blase sur l'air de Mario Kart. Ma course préférée, j'ai pas pris d'option. Ah merde, je suis pas sur la bonne fenêtre. Ah, fait chier. Putain. Je joue sur la fenêtre d'OBS, ce n'est pas très pratique. Il y a mon visage qui m'obstrue Ma position. J'ai menti, je la vois. Je vois ma pose. Ma position. Par exemple, là je suis huitième et je vais tirer sur Minard. Avec une gentille carapace verte. C'est Guillaume qui se l'est pris. Excuse-moi Guillaume. Et tu t'en as repris une autre Et je t'en mets une troisième derrière Désolé Guillaume Désolé Guy Désolé Guillaume Bah alors Thibaut, t'as voulu me fra ou quoi Désolé Guillaume Désolé Guy Désolé Guillaume C'est moins pratique de jouer sur ma fenêtre OBS, on va pas se mentir c'est moins pratique de jouer sur ma fenêtre d'OBS. C'est un petit peu moins pratique. On va pas se mentir, c'est bien moins pratique que sur mon grand écran. Ça m'empêche pas d'être à une position plutôt convenable. Aurel, il est deuxième. Et quelqu'un lui tire une rouge, ça l'a bien saoulé. NON J'ai pas pris d'option. Heureusement, j'ai gardé mon champ. J'ai pas pris d'option. heureusement j'avais gardé mon champ. Il y a un petit canon qui arrive, il vaut mieux s'écarter du milieu de la route. On espère qu'on va choper... Ah Une option plutôt convenable. Une option plutôt convenable. Et Tim, les est et je vais le doubler. Pas du tout, je l'ai pas doublé. Je comptais le faire, mais j'ai raté. Mmh, pas mal, pas mal, pas mal. Ah oh oui Ah oh, je t'ai doublé sur la ligne. Magnifique. Magnifique. Je m'en sors plutôt pas mal. Putain, I18 I18, tu saoules. hein Ouais, je dis option, ouais, ça va, ça va. Quoi Item, euh, vous dites quoi Objet Je dis option, moi. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a On dit encore ce qu'on veut, bordel. Ok. J'ai encore volé un champis juste avant la cascade. Ah c'était pas le mien ce coup-ci. La dernière fois j'avoue tu m'as fait ça, c'était horrible. Tout pile au moment de sauter dans le raccourci. Je me fais voler mon, mon champ par Etim, j'ai pas kiffé. I18, e euh, baisse un... Lève un peu la pédale. Lève un peu la pédale. Ça suffit maintenant, t'es trop fort là. Ah bah tiens ah c'est marrant il y a d'autres Yoshi du coup les gens vous avez mis Valet Yoshi et, et Yoshi Island c'est vraiment la, la fête des Yoshi quoi ti -ti -tata, ti -ti -tata. ah c'est et Tim tu l'as volé à, à Augustin qui est puni d'avoir choisi Londres c'est parti bonne course à tous n'hésitez pas à sub si vous voulez que je chante putain votre blaze sur les chansons j'ai raté mon départ j'adore c'est une stratégie, en fait j'ai fait exprès. Et... Qui a fait ça Et Tim, T'es fou quoi Tu m'as tiré une verte et team là Ça m'a tellement décontenancé. Euh, euh, pas d'acharnement, mais tout sur i 18 Je vous rappelle qu'il est trop fort, c'est un peu énervant. Après on va découvrir peut-être qu'il est trop fort que à Circuit Yoshi. C'est vrai qu'une bonne strat de votre part serait de vous entraîner à Circuit Yoshi avant chaque live, on va pas se mentir. Ah oh oui Alors, ça, c'est ce qu'on appelle de la chatte. J'étais en étoile. Ah putain, lors de cet éclair. Mais putain Non Dégage, enfoiré va. Tu, tu te prends le mur juste pour me rentrer dedans avec ton étoile C'est honteux ton comportement. Mais faites gaffe à pas trop vous acharner sur moi parce que je, je, je fais pas ma victime. Mais j'ai déjà parlé avec des gens qui ont arrêté de faire des tournois en ligne parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils se faisaient éclater en priorité par les... par les participants. Et je ressens un petit peu ce truc des fois là quand je vois un mec en étoile qui fait exprès de se prendre un mur juste pour me rentrer dedans. Je me dis bon... Hein pas un méga bon délire Ah putain la, la, la fleur elle m'a bouffé ma rouge Je pensais pas que c'était possible Ah oh non, Tito, vas-y, c'est quoi ce backspam là Bon ça va, ça n'a pas eu de conséquence. Il m'a backspam gratos. Je sais pas si c'était du hasard, mais t'as vraiment visé dans le parfait bon angle. Parfait bon angle. Une partie de plaisir. Il dit 8, t'es insupportable. Non mais frère, il a plus d'enjeu là. C'est quoi cette histoire Tu peux pas être tout le temps comme ça devant. Ouais ah bah heureusement que ça m'a pas eu trop de répercussions sur mon, sur mon score final, mais tu m'as vraiment niqué dans l'angle parfait. Euh, bon, pas d'acharnement, mais tout sur e 18, plutôt que de vous acharner sur lost de ce circuit, de ce tournoi. Je me suis planté dans un mur juste pour te cogner en étoile MDR. Bah, quelqu'un a fait ça. Je sais pas si c'est toi, mais oui, quelqu'un a fait ça. Et bon, c'est... C'est effectivement...

C'est quoi la course Oh non Bon bah ça va être du ban sur Augustin. On va devoir ban Augustin quoi. Combien 600 secondes Désolé hein. Mais c'est la règle. Si on tombe sur Londres, on ban Augustin. Même si c'est pas Augustin qui l'a choisi. A partir du moment où on fait la course Londres, Augustin est ban i 18 tu peux arrêter d'être premier déjà en fait. C'est insupportable. Mais regardez, il est devant déjà là. C'est insupportable. Il est devant, il est là, devant, il fait sa vie, il est tranquille, il lui arrive à rien. C'est insupportable. Ah bah moi je prends pas d'option comme ça je suis bien sûr de le rattraper. Dommage, bonne, bonne tentative. Allez, vous pouvez y arriver, les gars, vous avez plein d'armes là. Allez, on l'attaque là. Vous faites rien, je vous vois là, vous êtes tous de mèche. Allez, Fatih et Guillaume là, on fait un truc là. Mais non, faut pas tirer sur Guillaume, Fatih. tirer sur J'ai des champs, tu peux lui tirer dessus avec ta verte. Bon, tu me diras, il est beaucoup trop loin. C'est insupportable cette histoire, hein. Il est en train de nous tracer, quoi. Il lui arrive rien. Personne ne tire dessus. C'est insultant. Ah oh bah super. Il backspam avec un éclair. Il backspam. Il dodge l'éclair au final avec la, euh, en se prenant la bleue. Mais pourquoi option Je sais pas. Je dis option. C'est une option, quoi. Bon, un, un objet, un item. Qu'est-ce que vous avez là elle me saouler, là. I18, tu niques les lives hein. T'es au courant ou pas C'est où Déjà que la course allait rincer. Le mec il se prend deux bleus, ça, tout le monde s'en fout quoi. Mais Fatih tire en avant tes boomerangs Qu'est-ce qu'on m'attaque moi C'est un sup. C'est un sup. C'est un Vas-y, casse-toi. Augustin avec son étoile là. Honteux, Augustin. Honteux ton comportement. Si c'est encore E18, j'arrête Twitch. Ah, ça va, il est deuxième. Est... Bon, ça nous prémunit de pas grand-chose, mais. Mais t'as pas fait full. T'as pas full gagné la semaine dernière. Non, c'était la semaine d'avant. Il en aura fallu des bleus hein, pour le. Alors la fatigue gagne et on dit rien. Bah non, il y gagne pas tout le temps. <laughs> il gagne pas tout le temps. T'as toujours 40 000 points d'avance. Allez, tout circuit Yoshi, hein. attention. Et on la banne du coup, euh, Augustin. C'est la loi. Hein, que ce soit, même si c'est quelqu'un d'autre qui avait choisi euh, Londres, à partir du moment où on tombe sur euh, Londres, Augustin, il est banni 600 secondes. I18 a quitté son job pour s'entraîner sur le circuit Londres à plein temps. Et sur le circuit Yoshi, on va pas se mentir. Un, 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 ta Ah bah tiens, circuit Yoshi. Alors attendez, il a combien de points d'avance I18, il est à 42. Wow. Je suis à 27, il est à 42. Que si vous voulez que je fasse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Merci en tout cas. Euh, merci d'être là. <laughs> Celle-ci c'est pour toi Aurel. Allez. On va faire un truc quand même. On va faire un truc. On va faire un truc. On va faire un truc. On va quand même essayer et de faire un truc. On va faire un truc, on va faire un truc. On va faire un truc. Allez Ta -ta -ta. On va faire un peu, un peu le show quand même. -de -de déjà j'ai mis la bonne scène, au moins vous voyez la Corse. C'est déjà pas mal déjà pas mal Allez Allez, on se concentre, on donne tout. Ti ti ta ti la ta. Ti ta ti la ti ta ti ti ta ti ta ti la ni alors qu'il était en huilé vous êtes insupportable vous êtes insupportable C'est dur de VESKI pour les gens qui suivent. Quand on tire une rouge et que tu dois te protéger avec une bombe, il faut la poser un peu en avant, sinon t'exploses Merci une patate molle, tu m'as tu m'as chauffé quoi. I18 qui est deuxième, insupportable, insupportable. Tu devrais pas t'appeler I18, tu vas t'appeler I premier. Foire, foire rose va. En foire rose va. Ouais c'est ça tu devrais t'appeler I1 <laughs> Mais la semaine prochaine tu te t'appeler I2 Ok Parce que je vais gagner la semaine prochaine Enfin demain, demain tu t'appelleras I2 Qui a tenté encore de voler avant la cascade Ah c'est vraiment salaud ça, c'est vraiment salaud ça Bon bah merci en tout cas à Paris 18 Merci à tous sauf I18 et Augustin tin 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 Ouais c'est ça I2, ça s'écrit comme ça I2 effectivement deuil <laughs> Bon, bah, merci beaucoup, les loulous. C'était encore une fois un petit plaisir, même un gros plaisir de passer la matinée avec vous. Merci à tout le monde à la maison. Merci les lurkers, Merci le chat. Merci la modération à Paris 18. <laughs> mais bravo quand même. Mettez un sup. Et puis, euh, et puis voilà. C'est sûr que le jour où laprès ça va devenir. Est-ce qu'il est 18 va gagner et Bon. Mais bon. Euh, non, non, j'ai gagné, Miss Mev. C'est bon, tu peux valider. Euh... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est drôle, cette blague, mais du coup, si c'est. <laughs> non, non, c'est i18 qui est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il, est il triche, il triche. Il joue à la manette. Moi, je joue au clavier. Hein, je vous rappelle, la main recarte quand même. C'est beaucoup plus dur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les gens trichent, les gens trichent. Bon, bah, les loulous, on va se quitter. Euh... On va se quitter euh... en chanson. Ah, mais vous. Avez... Ah, si, c'est bon, là, vous l'avez C'est pour Zirel. Ah oui, quand est-ce que je fais GTA Je fais ce soir ou demain soir GTA euh, Ce soir ou demain soir oh, non Si, c'est ça, je fais ce soir ou demain soir GTA. Décide-toi tout de suite, comme ça tu donnes rendez-vous aux gens. C'est fort là Oudini, Who you meet me euh... Moi je suis sub et j'ai pas vu la fracture. Ah Alors attends. Du coup, il faut qu'on te monte la fracture avant de partir. Ah, attends deux secondes, je réfléchis si je fais du GTA ce soir ou demain soir. Vous voulez ce soir ou demain soir Ah ah Est-ce que je fais ce soir ou demain soir Putain, pourquoi C'est bien quand il y a un truc qui t'aide à. Euh... Euh... Ah, ce soir, je pense. Je pense ce soir. Je pense ce soir en GTIs. Et du coup, on monte ma fracture à Jujules pour terminer quand même. Ma potentielle fracture. Parce qu'attention, on ne sait pas. Attention C'est parti Voilà. Il le s'agit de ma fracture. Donc voilà, ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Ça se résorbe un peu, mais on est quand même toujours une, sur une vibe Harry Potter. C'est le plus important. Moins Harry Potter, moins. Voilà, ma fracture est moins Potterhead, on va pas se mentir. Mais elle la reste quand même toujours un peu suffisamment. On espère qu'elle ne, ne se résorbera jamais tout à fait. C'est l'objectif en tout cas. Voilà, Juju. C'était pour toi, Juju. C'était pour toi. Je préfère la vieille radio perso. Bah ouais, la vieille radio, elle est plus Potterhead. Merci beaucoup, je vais manger coréen pour fêter ça. Putain la chance. Vous avez clippé tout à l'heure quand je pensais qu'il y, euh, y, y avait la musique alors que pas du tout. Allez, allez, écran, mets-toi écran. La fracture fait un N comme numéro 2, de ton classement sur MK. Foiré va. J'étais deuxième, là Bon, ça va, déjà. Mais bon, en fait, la prédit, ça va soit devenir I-18 premier ou Aurel deuxième, quoi. T'es un sup, hein. Allez, l'écran, putain C'est chiant, cet écran-là. C'est ton écran, Coco, là. Euh, Qu'est-ce que je voulais regarder Ah oui, je voulais regarder si vous avez clippé moi qui me, sur... qui me ridiculise. Na 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 quand Freddy, il a pété. Ah ouais, non, vous êtes, vous êtes vraiment sur les jeux de mots, quoi. Aurel invoque le soleil à, à l'aide de son bras, un classique. La fin... Ah bah, quelqu'un avait réussi à, à, à clip la fin de Portal, parce que quand on a les, les dimanche soir, quand on a regardé les clips, il n'y avait pas encore... Il n'y avait pas la fin, mais les clips n'avaient pas dû arriver. Donc non, ce matin, nous avons juste, effectivement, des... Merci, hein, Etim, pour les clips, mais nous n'avons pas moi qui, <laughs> qui chante Houdini sans le savoir. Est-ce que tu, tu peux t'offrir des fois toute seule J'ai failli pas l'avoir. Est-ce que tu peux écrire ton nom dans le sable On sait déjà, je crois, oui. Ouais, ouais je crois, il me semblait bien. Est-ce que tu peux te parler toute seule pendant des heures Et tu comprends ce que tu dis oui, Parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Ah, c'est à moi, gabal en fait. Ah ouais, moi, j'avoue, je comprends pas. Hein. Ah, ok, d'accord, mais ça, j'ai pas demandé, par contre. Hein. Je t Arrête de répondre à des questions auxquelles je ne t'ai pas posé, Maïlé. Bon, on va, on va, on va finir ce live parce que Maïlé, ça va pas très fort, là. Hein. Euh... Ah oui, j'étais troisième, c'est ça, il dix 18, on est d'accord, j'ai pas fait deux. Salaud, va, putain, salaud. C'est qui, c'est Fatih qui a fait deux Oui, c'est Fatih qui a fait deux. Ah là là, je te jure, je te jure. Euh, gros bisous à tous. Euh, Jujules j'ai déjà des un peu des, un peu des cadreurs, mais euh, J'ai pas trop les moyens d'en prendre en général, mais j'ai un peu déjà des cadreurs. Je limite dans le clip avec comme ça. Je suis aussi bonne qu'elle dans le clip, je vous le dis moi. Euh, gros, bi <laughs> gros bisous. Gros bisous à ce soir, j'imagine, je pense pour GTA si vous êtes là. Sinon, à demain matin avec beaucoup de plaisir. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir passé la matinée avec moi. Vous avez été hyper. Merci à la modération. Merci à Paris 18. Merci à tout le monde. Vive la vie. Vive Twitch. Vive Maillet. Vive Cyrus.